Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir pour une soirée de Tomb Raider. On va continuer notre progression. Bienvenue Jikomo, bienvenue Mariku Sushi. Shisu, pardon, c'est dyslexie. C'est le cerveau qui est à l'envers. En tout cas, bienvenue. En tout cas, bienvenue. Ah. Honnêtement, c'est cool de faire du Tomb Raider. Faudrait qu'il y ait plus de jeux, comme de vieux jeux qui ressortent par des sortes de bundles où il y en a plusieurs. Genre, tu fais le premier, tu sais que t'as encore la suite à faire. Il y a encore plein d'aventures à avoir. Ah, c'est top. En tout cas, bienvenue, bienvenue. Où est-ce qu'on est ? Oup ! On est là. On est là ! Aïe, 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 le cerveau à l'envers, c'est un problème. Donc on va continuer notre Tomb Raider 2. Nous sommes au troisième épisode, troisième session du deuxième jeu. Nous sommes arrivés au Tibet, dans la neige. Et là, on commence à arriver au moment où je connais de moins en moins le jeu, je vais être honnête. Les niveaux du Tibet sont un peu longs. Je sais plus si c'est à ce moment-là qu'on va avoir la motoneige, ou alors si c'est après, je me rappelle plus vraiment. C'est peut-être avant le temple avec les moines, peut-être. Mais voilà. Là, on arrive vraiment au moment où je connais plus vraiment le jeu. J'ai pas assez de pratique, donc du coup, je me rappelle plus vraiment. Donc, on va voir. Bienvenue Falnek, bienvenue. Donc on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. On va lancer le jeu. Oup. Ah ouais, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Non. Le deuxième. Ah, le deuxième. Donc ouais, on était arrivé au Tibet et on s'était arrêté juste là. Et on va continuer, bien sûr, avec les contrôles modernes. Honnêtement, je me vois mal rejouer avec les vieux contrôles. Ouais, le précédent, j'ai pas tout vu car je me suis endormi devant le live et puis je me suis réveillé d'un coup et j'ai remarqué que le live était fini. J'ai dit bon, tant pis. Y a aucun problème. Y a aucun problème. On a fait honnêtement, je crois que c'était... un niveau avant les fonds marins, le dernier stream. Et puis après, ça a été que des fonds marins, que dans le bateau, là, qui est au fond de l'eau. Donc c'est à peu près 3 heures et demie que de ça. Ces niveaux étaient extrêmement longs, honnêtement. Mais bon, c'est comme ça, c'est vraiment la partie très longue du jeu. Et maintenant, on est arrivé donc au Tibet. Dans la neige. Donc on va avoir des nouveaux ennemis et tout ça. Est-ce que je suis toujours en moderne? Ouais. Mais ouais, comme je disais, j'aurais trop du mal à rejouer en tank contrôle. Les contrôles modernes en fait fonctionnent plutôt bien quand même. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer le stream et la vidéo. Nous sommes en même temps sur Twitch. Et nous allons... commencer. C'est parti. On est quoi, 200 sauvegardes? On est à 223 sauvegardes. Et nous sommes dans les contreforts tibétains. On est parti. Ouh, c'est joli. On a des nouveaux fonds d'écran aussi. Ok, on est bon. Je suis pas prêt. Parti, en fait. Non, c'est bon. Donc on vient juste d'arriver là. Ah oui, attends, il me faut les... Bah, je vais sûrement mourir, hein, de toute façon, donc je vais sûrement oublier, mais... On va faire ça. Voilà. Voilà. On a un peu plus la classe. On a un tout petit peu plus la classe, comme ça. Donc, je vais voir un peu l'inventaire. On a donc 21 cartouches de fusil, un peu de pistolet auto, des Uzi, du M16, du lance-grenade. Et on a le séraphin. Ça, c'est pour ouvrir la porte qui est dans le temple des moines. On va prendre un peu du pistolet auto, je pense. Ouais, on va prendre un peu de ça.
Let's go. Comment tu fais pour mettre les lunettes? Ah, oh, ça, il va falloir regarder ma vidéo sur YouTube. Et oui, dans la description, il y a la playlist de Tomb Raider. Il va falloir regarder la vidéo. Je ne peux pas le dire en direct, sinon je me fais attaquer par des méchants. Tu peux mettre les lunettes au cours du jeu. Je croyais que c'était pendant les changements. Les chargements? C'est ce que je viens de faire. J'ai rechargé en fait la partie. Je sais pas si... Je suis allé vite. Après, les chargements sont super vite, hein, sont super rapides. Hein. Donc c'est ce qui s'est passé. Je l'ai fait. Donc on a des boules. Ok, c'est parti. Quand tu charges le jeu pour la première fois, t'as le chargement, tu peux le voir, le chargement. Mais après, si tu recharges pendant que t'es dans la partie, c'est extrêmement rapide, t'as pas de chargement en fait. C'est quasiment instantané. Est-ce qu'on peut tirer sur ça? Attends. Ah oui, on peut. Let's go. Wow, 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 c'est quoi ça? Pourquoi le machin, il a eu le temps de me toucher, quoi? Je te déteste. Je te déteste, le chat. Je te déteste, le chat. Ouh, le chat qui est joli. Ouh. Il est mignon. Il est mignon. Il serait vraiment bien pour décorer le manoir de Croft. Le manoir Croft. Il serait très très bien. On a trouvé... Ouais, on a trouvé des... Le gros matou. Ouais, du coup, là, on va combattre des nouveautés. Donc, bah, du coup, c'en est une. Je sais pas ce qu'on va... Des yétis, peut-être? Ou alors c'est plus tard, je sais pas. On va commencer à combattre des trucs un peu bizarres, des créatures, quoi. Ah, donc ça va être sympa. Fais voir un peu le décor. Ouais, avant, c'était les ténèbres. Maintenant, ça y est plus. Maintenant, on voit des nuages. C'est bien. Alors, comment ça marche? Où est-ce qu'on est? Ouh, la vache. Ouh, caméra! 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 Doucement, doucement. Y'a quoi en bas? Y'a rien en bas. Est-ce qu'on a besoin de tirer ou alors on peut foncer dedans? J'ai envie de voir si on peut tout simplement foncer dedans. On va peut-être mourir. Oui! Oh! Oh, merde. On est bon. Faut appeler Brigitte Bardot. Ah, mon dieu. Est-ce que ça vaut le coup d'aller en bas? Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Ça, c'est quoi? Ça, c'est son ombre. Ça, c'est son ombre. Non, je crois qu'il n'y a rien. Est-ce qu'elle peut faire... Non, elle ne peut pas le faire. Tu peux aller sur le côté, Lara? Lara. Oui, voilà, ouais. Merci. Yeah, yes, yes, yes. Est-ce que on peut faire ça? Ça. Bon, on est d'accord qu'il n'y a rien en bas, en fait. Ouais, non, il n'y a rien en bas. Ok, pas besoin d'y aller, alors. Ça marche. On continue. Alors, on va essayer de trouver les... Qu'est-ce que c'est que cette abomination, là? On va essayer de trouver les... Les secrets, mais comme j'ai dit, c'est pas vraiment la priorité. C'est juste si on passe devant, on les prend, quoi. Ah bah c'est là, du coup. Yes, on va pouvoir tester la nouvelle mobilité des motos des neiges, là. Ouh, classe. Classe, classe, classe. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Ça veut aussi dire qu'on va avoir des musiques plutôt cool. Ok. Ah, on va sauvegarder, parce que sinon je vais me cracher. Alors, où est-ce qu'on doit aller? C'est quoi notre but, là? C'est d'aller de l'autre côté, c'est ça? Je sais pas du tout où j'ai... Oula, honnêtement, cet endroit est un peu relou, parce que c'est toujours très très... très étroit et du coup la caméra fait... La caméra fait un peu n'importe quoi.
On a bien fait de sauvegarder. Ok, donc faut faire attention aux stalactites. Des ptérosaures dans Tomb Raider. Des ptérosaures. Des ptérosaures. C'est à partir du 3 hein, qu'on a le froid dans l'eau, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est dans le 3 où, genre quand t'es en Antarctique, si tu vas dans l'eau, tu gèles. Genre en plus de la respiration, t'as le froid. Ah, je suis pressé et pas pressé de faire le 3. Hein, du coup, faut faire quoi? Faut remonter. Les dinosaures géants volants. Comme les ptérodactyles. Il y a des secrets là à prendre ou pas? J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose en fait. On envoie un drone pour vérifier parce que... J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose en fait dans les montagnes. Ah, peut-être là. Ben non, non, là c'est du vieux. Du coup, je fais quoi moi? Je peux monter là. Je peux aller là. Il y a quoi là? Il y a rien pour le moment. Ah, mais je crois que c'est par là peut-être pour aller de l'autre côté. Mon dieu, oh, ça a l'air super compliqué quand même pour aller de l'autre côté. Le 3 risque d'être compliqué. Totalement. Du coup, ça sert à quoi? Tu veux que j'aille là, en fait? D'accord. Je peux pas sauter directement, en fait, au final? Attends. Ça a l'air un peu abstrait, mais... Je peux pas faire ça. On est d'accord que là je... Ah quoi que non, là, on va peut-être pas pouvoir monter, non? Si? Non, on va peut-être pas pouvoir monter. Comment je suis censé monter normalement en fait? C'est ça qui me rend fou. Genre là... J'ai aucun souvenir de comment passer de l'autre côté, c'est ouf. Aucun souvenir. Bon, on va continuer notre chemin qu'on a vu. On va voir ce que ça donne. Je suis au bon endroit. Genre, faut faire tout le détour là, dans la montagne et tout ça. Et après sauter. Avec les stalactites. Reviens où il y avait la trousse, ok, ça marche. Oh putain, je vais essayer de le refaire, ça va être chaud. Après, où est-ce que je saute? Là, on va glisser. Là, on glisse. Sur cela, peut-être, en face. On va sauvegarder. Ah, on voit la différence hein, quand je connais plus rien. Ça y est, c'est fini. Là, on tourne en rond et tout. Quoi, direct. Glisse pas. Genre sur lequel, celui-là. Hop, et on va où là? Où est-ce qu'on va? Ah non, ok, d'accord. J'étais... Honnêtement, vu la pente, j'étais persuadé... Quoique, ouais. Ouais, non.
pas, pour moi, j'allais glisser. Merci, merci, merci. En fait, c'est super simple. Tu vas mourir Mon dieu, l'autre, il avait énormément de vie comparé à son pote. Incroyable. C'est quoi notre but? C'est de trouver la clé, c'est ça? Non, ça va pas être ça. Ça, parce que ça, j'imagine qu'on va pas le casser. Je crois que ça va être de trouver la clé. J'aime bien les détails, il y avait des skis et tout ça plantés, c'est plutôt cool. Les ennemis sont très résistants. Ouais, je vois ça, ouais, ça va être chaud. Alors, on a deux chemins. Deux chemins. Ah! Oh, dragon! Dragon! Cool. Donc ça, comment ça s'ouvre? Ok, il faut ouvrir ça alors du coup aussi. Ça marche. Donc on a la porte, on a ça, on a une serrure et on a la porte là-bas. Ouh. Comment on avance déjà? Ah, oui, comme ça. Il y a un boost sur celui-là ou pas? Tiens! Attends, tu m'as laissé des trucs? Ouais, tu m'as laissé des trucs. Comment on sort déjà? Je me rappelle plus de la touche. C'est quoi la touche? Lara, Lara, lâche la moto. What? Ah, oh, faut maintenir B et faire droite ou gauche. Ok, ça marche. Pardon. Bonne cette musique. Ça, ça se contrôle bien avec les contrôles modernes. Non, c'est cool, quoi. C'est juste qu'il faut connaître les touches. Pas là. Je sais pas où jouer. Ah, faut passer par là. On va se tuer au bout d'un moment, on va se tuer, mais bon. C'est le jeu. Très bien. Ça se passe bien pour le moment. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ça va être fun. Ça va être fun. Si j'ai déjà du mal avec ça, j'imagine même pas le kayak et tout dans le 3, quoi. Et on est reparti. Mmh.
Alors, je crois que techniquement, si on veut jouer normalement, je crois qu'il faut bouger les blocs. Je crois que techniquement, faut bouger les blocs, mais je sais qu'on peut passer sur le côté droit, là, si on cible un peu l'angle. Est-ce qu'elle peut directement pousser? Ça m'étonnerait, elle est en pente. Ouais, non, non, on va faire comme si on jouait normalement, ok? On n'est pas un speedrunner, on est loin de là. Donc on va bouger le bloc. C'est sûrement le bloc que personne ne bouge, honnêtement, quand les gens jouent et essayent de passer tout simplement sur le côté, par défaut. Ils sont trop bien, ces musiques. Ok. Ouais, trop fort. C'est passé. Je vais être honnête, on va envoyer des drones pas mal pour éviter de perdre notre temps. Parce que j'ai pas envie de descendre et remonter à chaque fois. Ah, y'a rien, on avance. C'est le bon côté ou c'est le mauvais côté? Peut-être là-bas. Ah! Il y a des trucs à aller récupérer dans ces crevasses ou pas? Je suis sûr que les dragons, ils doivent être cachés. Enfin, on en a déjà un, mais je pense que les deux autres, ils doivent être cachés dans des crevasses. On monte. Ça va, ça se prend en main au bout d'un moment. Au bout de 2-3 morts, ça ira mieux. Avec le motoneige. Ah! Je sais pas où c'est, ça. Oh! Oh, oh, grenade! J'ai envie de voir ça. Il y a des mecs. On va essayer de les écraser. Donner des dragons se chope facilement. Ah, ok. Bon à savoir. Est-ce que je peux faire ligne droite sur toi? Oui. Non, mais c'était pas vraiment voulu. C'était pour démontrer que c'est pas possible. Ah, donc on va faire le tour. Y a pas de problème. Ok, ah, évidemment qu'il y a vous dropper des trucs. Évidemment que vous dropez des trucs, sinon ce serait pas drôle. Ils font mal aussi, hein. Ils sont résistants et ils font mal, les mecs. Je veux pas dire, mais... Ils sont assez violents. Hein. Je pense qu'on va commencer à sortir le M16 assez vite. On va sauvegarder. Let's go. Oui. Oh mon Dieu, ils font mal. Qu'est-ce qu'ils font mal, c'est con.
Fais voir le troisième. T'as rien. On a des objets à récupérer. On a du... Non. Vous faites mal, les mecs. Je augmente la difficulté à perdre du cibé. Je le ressens. Je le ressens bien. Ah, on peut s'accrocher à gauche, il y a sûrement un secret. Ah, on aurait pu prendre un screenshot. Attendez, attendez. Désolé, on va refaire ça. Ok. On va refaire un truc stylé. Wouh! Yeah! Attends, fais voir. Est-ce qu'on peut lui mettre un visage? Genre ça. Yeah! Oh! J'ai trouvé un dragon! J'ai trouvé un dragon! Petit screenshot. Du coup, il faut pas sauter. Merde. Quoique, attends. Y a quoi là? Mon dieu, c'est quoi tout ça? On a une porte en bas. Ça marche. On fait demi-tour, on ressaute. Parce que je peux directement accéder au dragon, là, on est d'accord. Wow! Très bien. Oh. J'aurais pu vous écraser, ça aurait été cool. Ça sert à quoi tout cet endroit en fait avec la porte? On y retourne après? Oh oh oh, doucement, doucement. Oh, oh, il y a des boules, on peut s'accrocher apparemment. Ok. Comment on y va? Comme ça. Nickel. Elle vient d'où cette clé? Enfin, elle est pourquoi plutôt? Ouh la vache. Ouvre-toi, Sésame ? Non ? Ah, là. D'accord. Okay. Je comprends maintenant. Est-ce qu'il y avait quelque chose en bas du précipice ? Parce qu'en fait, on est parti un peu vite. Je dois reconnaître. Je suis pas allé tout en bas. Genre, là. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Nu. Pourquoi il y a un bout d'eau là? Pourquoi il y a un trou hein? C'est quoi? C'est de l'eau? Non, il n'y a rien. Où est-ce qu'on va là? Oh, des grenades! Ça, je veux. Oh, oh. Oh là là, chier. Lara. Bon, Lara, ok, on va faire comme ça. Il y en a trois.
ça va. Eux, ils meurent assez vite, ça va. Est-ce qu'on prend les 8 vies un peu, peut-être? Salut le Tibétain, bienvenue Antoine, bienvenue. Le Tibet, c'est beau le Tibet. Oui, non, monte en fait, tout simplement. On est en train de tuer tout, tout ce qu'on trouve pour le moment. Est-ce que le jeu est-il sorti en Chine? Ah! Je ne saurais pas dire, honnêtement. Attends. Est-ce que j'ai pas merdé, moi? Je pense. Je croyais qu'il fallait que je saute, en fait. Oh. Je crois que j'ai merdé. Oh! Il y a un passage là. Ok. Non, pour que je fasse le tour, j'ai merdé. J'ai sauvegardé ou pas? Je vais voir. Oh, non. J'ai pas sauvegardé depuis tout à l'heure? Pas sauvegardé depuis tout à l'heure. Ah, j'ai pas sauvegardé depuis tout à l'heure. Ok, cool. Ça mène où là? Est-ce qu'on peut y arriver? En version piratée, je parie. Mais du coup, ça veut dire qu'il est pas sorti. Désolé, on va refaire une petite partie. J'ai merdé. Je voulais aller plus vite et au final, on perd du temps. Tu en es au niveau secret? On a 2 dragons sur 3. On a le vert et l'argent. Le jade et l'argent. Ok, cool. J'avoue que pour le moment, l'expérience avec les contrôles modernes n'est pas le plus fun au Tibet. Parce qu'il y a beaucoup de petits endroits, c'est très très exigu la plupart du temps. Donc c'est pas le plus fun, mais après ça se joue. Hein, mais... J'avoue que là, c'est pas le plus fun. Très bien. Toujours l'avantage pour les combats, par contre. Ça change pas. Faut laisser le scooter avant les boules de neige qui tombent pour passer facilement. Ouais, d'accord, ouais. Je pense que là, je peux quand même repasser, genre en sautant directement de l'autre côté. En tout cas, j'espère, parce que sinon... sinon, on recharge la partie, on verra. Toujours trouver le niveau tibétain supérieur au niveau aquatique. Sauf qu'il y en a un de trop. Le niveau aquatique, c'est un peu trop long, je trouve, ouais. Yes, on peut passer, ça marche. On est reparti, wouhou! Ça nous permet de faire quoi, ça? Ah, mais attends,
ce que je viens de faire, on n'est pas censé le faire, c'est ça? On est censé passer par là. Genre, je suis censé, en fait, passer par ici. Et après, sauter, comme ça, pour atterrir là. Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, ça sert à... Ouais, non. D'accord. Oh bah non, pas besoin, en fait. Pas besoin du tout. C'est quoi ça? Oh, un pont. Ok, ça marche. Un pont, je crois. Oui, pont-levis, ok, ça marche. J'avais pas vu le nom de la clé. Quand même, c'est un peu abstrait, hein, le côté pont-levis, hein, je veux pas dire, mais... Ils auraient dû peut-être les mettre, en fait, en haut, au lieu que ça soit en bas, pour éviter de les confondre avec des sortes de portes. À la limite, j'ai envie de dire. Ça aurait été un peu plus logique. Mais bon, on était en 97, hein, aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On fait ça. Hein. Bon. C'est quoi ça? Ah, il y avait un panneau d'éboulement. C'est marrant, ça. Il y a la bonne musique. Ah, il y en a un deuxième. Oh, ok, ça a cassé la glace en bas. Ok, sympa. Enfin, je crois. Non, j'en sais rien. What? Ok, putain, c'était rapide. Il a démonté le mec. Je crois que ça va être le moment de sortir un copain. Et ça va être ça. Yeah, c'est parti, vas-y, ramène ta fraise. Le fuir? Oh non. Non, jamais on fuit. Jamais. Il est où? Oh oh oh. Hé, Lara, tu veux... Elle a du mal à viser, j'ai l'impression. Elle a du mal à viser constamment. Oh, je peux prendre ça. Ah tiens, c'est con parce que j'ai la touche de tir qui est sur la touche pour aller en arrière. Salut Rio, bienvenue. Donc du coup, c'est un peu con, tiens. Même, du coup, j'ai pas le boost avec celui-là. On va garder notre... On va garder notre rouge. C'est quoi cette musique? J'ai jamais entendu. Ça me dit rien en tout cas. Oh, la clé c'est vrai. Non, on a... What? Clé de la cabane. Oh!
pour faire demi-tour à la cabane. Oh mon dieu. Très con cette marche arrière qui tire. Ouais, ouais, c'est très... C'est pas bien pensé. En plus, on n'a pas les commandes pour véhicule, genre commande à pied, commande en véhicule et tout ça. Ça, c'est un peu bête. Donc du coup, on est obligé de changer la commande pour tirer, quoi. Du coup, on va au demi-tour. Demi-tour à la cabane. Je suis dans le bon sens, hein. Je suis dans le bon, sur le bon chemin. Genre, on refait tout à l'envers, c'est ça? Oui! Ah! Tout va bien. Ouais, marche et véhicule, ouais, ils auraient pu faire ça, ouais. Physique de la moto, je la trouve pas mal pour un jeu des années 90. Ouais, je la trouve aussi vraiment bien. Oh, tip top. Le paroxysme de la motoneige. Non, je déconne. Oui, non, elle est bien. C'est juste que... Ah, comme d'hab, hein, c'est super hardcore, hein. Tu tombes un peu trop haut, tu perds de la vie, tu te prends un mur, tu perds de la vie. Tomb Raider. Ah, ok, donc là, on sauvegarde, au lieu de tous se retaper à chaque fois. Le 4, ils vont le faire. Beaucoup de gens disent oui, mais ça n'a pas été officiellement annoncé, en tout cas, je pense pas. Mais oui, beaucoup de gens disent que ça a l'air d'être prévu. Du coup, moi, je descends comment? Comme ça? Ouf! Alors, par où on passe pour revenir à la cabane? C'était où, le chemin? C'est là? Je crois que c'est là. Mais bon, rien n'a été officiellement annoncé pour le moment. Donc c'est à prendre avec des pincettes à chaque fois. Oh, viens. Oh, merde. J'allais dire, viens ici le sac à main, on va t'écraser, mais non. Pas de la chance. On a un petit muret, on peut pas. Et en plus, il paraît que le remastered s'est bien vendu aussi. Donc c'est bon signe pour en faire d'autres. Donc ça, c'est cool. C'est marrant, hein, des jeux connus fonctionnent. C'est drôle, ça. C'est comme si on allait ressortir genre Dino Crisis 1 et 2 en bundle et ça pourrait marcher. Oh, c'est fou, ça.
Je sais que c'est pas la même compagnie, mais c'est honnêtement le même système. Genre Tomb Raider, tout le monde adore. Dino Crisis, au final, tout le monde adore aussi. Parce qu'il y a plein de... il y a plein de vieux fans, en fait, qui adorent ces jeux. T'as pas besoin de faire un travail de ouf dessus pour... pour que ça se vende et pour faire de l'argent, quoi. Juste faites-le, j'ai envie de dire. Oula, 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 oula. Arrivé à la cabane, sort ton lance-grenade. Ah, c'est pour ça, ok. ok, on peut... Ouais, ça, j'ai jamais testé encore lance-grenade et on a beaucoup de grenades. On va sauvegarder aussi. What? Oh, il y en a trois. Ouh, est-ce que ça fait des dégâts de... J'adore les... J'aurais dû prendre des photos. J'aurais dû me mettre en photo quand ils explosent. ils partent en morceaux, les mecs. Mais est-ce que ça fait des dégâts de zone, le lance-grenade? Je pense pas. Ah, ils sont vénères, les mecs, hein, par contre. Ils m'ont démonté ma vie. En tout cas, merci pour le coup du lance-grenade, j'avoue. Je pensais qu'ils étaient que deux, au final, ils étaient trois. Et ils sont méga résistants, en plus. Du coup, on fait quoi, nous? Ici. Il faut y venir avec, avec la motoneige ou pas du tout? Oh! Il y a un cachet. Il y a un cachet. Ouais, mais pas pour toi. Un topo sur les ventes, ouais. Mais après, je crois que c'est genre facile de suivre les ventes pour les versions PC, mais c'est un peu plus compliqué pour les versions console. Mais ouais, faudra savoir. Faudrait voir s'il y a des sites qui peuvent faire ça. Le M16, en fait, elle peut pas tirer et courir en même temps, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est bizarre. Le M16, elle a l'air d'être un peu empotée pour tirer. Je sais pas pourquoi elle déploie. Je crois que c'est parce qu'en fait il bouge trop et des fois il se cache derrière les petits murets et tout ça. Et du coup elle a du mal. Elle a du mal à le suivre en fait. Yeah! Nouveau motoneige. Pareil que je vais exploser, genre extrêmement vite. Hey, on a trouvé le dragon d'or. Du coup, je fais comment pour passer? J'ai pas le boost sur celui-là. Le Cusac, bienvenue. Est-ce qu'on a besoin du rouge ou pas? Ou alors je peux le faire sans? Oh merde, je crois que j'ai fait une connerie. Quoique, je sais pas. On était presque là. Il y a beaucoup de gens qui découvrent Tomb Raider, Master, c'est surtout la nostalgie qui rejoue. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui découvrent aussi les jeux, hein, qui les ont jamais fait. Hein. Bah, genre les plus jeunes, on va dire. Mais il y en a quand même pas mal au final. Genre il y en a beaucoup qui connaissent Tomb Raider en fait du reboot de 2013, je crois bien. Et du coup, qu'on n'a jamais fait les anciens, parce qu'ils sont trop vieux, les anciens. Genre, Tank Control et tout ça, c'est pas vraiment le truc très,
très attrayant, j'ai envie de dire. Donc il y en a quand même pas mal quand on regarde les streamers et tout ça. C'est assez marrant. Bouge, bouge, bouge. Quelle facilité à esquiver. Ça c'est bon ça. 1085, bah, terrible, on va faire que du Uzi pendant un petit moment là, ça va être cool. On va faire que de ça. Ouais, je peux pas m'accrocher par là. Très bien. Après, le problème que j'ai regardé des quelques streams, des gens vraiment découvraient Tomb Raider, genre avaient jamais joué au 1, 2, 3, et ils utilisent les contrôles modernes. Je crois que le problème des contrôles modernes, c'est que du coup, tu comprends pas comment la géométrie du jeu en général fonctionne. Genre le fait de te mettre au bord d'une plateforme, puis après de reculer d'un pas en arrière. Enfin, pas un pas, mais tu fais un petit saut en arrière. Puis après tu avances de 3 pas, ça te permet de faire un grand saut et tout ça. Du coup les gens en fait passent à côté de ça et ont un peu du mal à jouer au jeu. On est d'accord, je devrais avoir une moto neige. Hein. Oh, attends, là. Puis ici, oh, tu y en as deux. Oh mon dieu, je vais crever moi. Okay. Ils sont méga résistants sur leur motoneige, c'est ouf. Lance-grenade, ouais, on va peut-être faire du lance-grenade, ouais. On en a plein en plus. La difficulté aussi, oui. Génération qui aime sortir de la zone de confort peut apprécier le remaster. Le reste, ça va être... C'est moche, injouable. Surtout injouable, ouais. Et c'est vrai que, ouais, il y en a beaucoup qui vont abandonner aussi, j'avoue. Genre le côté difficulté. C'est très Dark Souls, hein, au final. Hein. C'est genre, tu recommences 50 fois la même chose. Je sais pas... Alors, je vais être franc, je sais pas si je suis censé y aller sans motoneige. Techniquement, je pense que j'aurais dû prendre ma rouge et essayer de trouver un moyen de l'utiliser. Je sais pas. Ah, ça va être compliqué, hein. Ouais, non, mais non. Non, c'est pas vraiment une bonne... Ah non, lance-grenade, à part faire du face-à-face, ça va être chaud. Hein. On va prendre le M16. On va prendre le M16. Vous avez pas eu des bugs avec les contrôles modèles? Bah, c'est pas vraiment des bugs, c'est juste que la caméra s'affole, oui. Mais oui, oui, dans les endroits exigus, la caméra s'affole. Elle aime pas être... Le caméraman n'aime pas être contre les murs. Eh oui, j'ai un joystick, hein, j'arrive à mieux bouger. Quel est le mieux, le M16 ou les Uzi au final? Vu que j'ai deux Uzi et j'ai qu'un seul M16. À moins que les dégâts soient extrêmement élevés avec le M16, je sais pas. J'ai sauvegardé? Je sais même plus si j'ai sauvegardé. Chant de Skyrim. C'est pas faux.
Oula, 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 oula. Il y a un bloc là à bouger. Faut le tirer ou le pousser? Non, faut le pousser. Sûrement le pousser. Mais M16 est balèze, mais assez limité au cac. Ça marche. C'est extrêmement cool aussi, vers ce qu'on finit les jeux pour la première fois, c'est de jouer en apprenti speedrun. Je crois même qu'il y a des trophées qui s'obtiennent, puis il y a des glitches. Oui, exact. Genre dans le 1, il y a eu... Oh, oh mon dieu. Dans le 1, il y a le fameux Medipack là, que tu peux pas avoir, qui est impossible à avoir, il faut glitcher sur le pilier là. Genre il y a des trucs comme ça, ça c'est marrant. What? Non mais sans déconner, t'es sérieux là? Tu me... Salaud! C'est bon? Je sais pas où on va exactement. On a fini avec les motoneiges, ça y est, c'est... Ou alors j'aurais pu y aller, genre foncer et sauter dans l'eau, je sais pas. Où est-ce qu'on doit aller? On doit aller dans l'eau. Je crois qu'on doit aller dans l'eau. Je crois qu'on doit aller dans l'eau. Dragon jaune. Le dragon jaune, je l'ai. Je l'ai eu. Plonge avec la motoneige. Oh, ok. Pour faire stylé, c'est ça? Tomb Raider, en plus, c'est les premiers, en tout cas, vraiment les premiers. Ça reste des jeux extrêmement fun à casser, dans un sens, avec les techniques de speedrun et tout ça. Il y a des trucs vraiment sympas à faire. Genre des sauts que t'es pas censé faire et tout ça. T'arrives à zapper des portes, zapper des événements et tout, c'est plutôt cool. Yeah, la classe. Quoi, il faut foncer avec le scooter. Ah, l'eau elle est trop loin. Ouais, peut-être. Peut-être qu'on peut pas atteindre l'eau avec un saut. Je sais pas où je vais. Oh! On a fini! Let's go! Pas mal, pas mal. Le premier niveau fini. C'est quoi le nom d'ici? Le monastère de Barkang. Donc on est au monastère maintenant. Le fun. Donc on va essayer de pas tuer les moines. On va essayer de pas tuer les moines. Trois secrets. Dans le niveau suivant, attention, il y a... Oh merde. Attends, est-ce que j'ai tiré sur un moine ou pas? Non, je pense pas. Il y a un secret qui doit être fait avant de vider l'eau d'une salle, je crois que ça marche. Ne pas tuer les moines, tu auras tout sur le dos. Oui, ça, je m'en rappelle. Si tu commences à tirer sur les moines, ils vont pas être contents.
Ça aussi, c'est assez sympa de d'avoir des NPC en fait alliés. Fais pas ton rigolo là, le moine. Fais pas ton rigolo. Hein. Je prends des screenshots. Je sais pas pourquoi. Donc là, techniquement, le monastère, c'est où je m'étais complètement bloqué il y a des années. J'arrivais pas du tout à trouver où il fallait aller et ce qu'il fallait faire. J'étais bloqué avec la porte où il faut plusieurs sortes de rouleaux, là. Rouleaux en bois, je crois. Et j'arrivais pas à les trouver, en fait. J'en ai trouvé peut-être un ou deux, trucs comme ça. Il y a un chemin, là. Il y a tout un chemin à faire. Ok, tout un chemin à faire. Il y a quoi, là-bas, du coup? Des rouleaux de pierre? Bah voilà, bah ça, j'arrivais... Oui. Corbeau? Ah non. Ah, ça va, ça se tue vite. Mais ouais, j'étais bloqué à ça. Impossible de trouver le reste, en fait. Impossible de trouver. Grâce à cette vidéo, j'ai pu aussi voir le magnifique travail qui a été fait sur les usines avec le remaster. Ah, c'était des jolies usines. Hein. Très très jolies. Ils sont d'une très très bonne qualité. Bon bah du coup, ça sert à rien d'aller là, je crois. Pas pour le moment, en tout cas. Ah! Ah ouh. Faudrait lui greffer des ressorts au pied. Il lui faudrait les mêmes bottes que... Ah, je me rappelle plus de son nom. Celle dans... La protagoniste dans Portal. Ce serait tellement bien. Non, on n'aurait plus aucun problème. C'est joli les... Oh la vache, ça me fait peur ce con. Ah mais non, mais c'est vraiment des corbeaux, c'est plus des aigles en fait. Ouais, c'est sympa. Des yeux partout. On va sauvegarder. Bouillon. Poup. Alors, par où on passe là? Je crois que j'aurais pu sauter directement. Alors, notre but, ça va être quoi? De passer par la porte? Je crois. Allô? Où est-ce que tu es? Merde. Je l'ai tué ou pas? Non, je l'ai pas tué. Il va m'embêter, lui, si je vais être... Pessie. Pessie, j'ai une bague en or. Les corbeaux, ils aiment bien attraper les trucs qui brillent, non? Voilà. Alors... Ok, très bien. On avance. On avance. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien du tout. J'aime bien comme quoi Lara ne parle même pas avec les moines. Genre elle vient là, elle fout le bordel, juste pour ouvrir la porte là. Après les moines sont attaqués, je sais pas. Mais... Pardon, pardon, réflexe, mauvais réflexe. Pardon. Chier. Ça va être chiant ça. Va falloir vérifier avant de tirer sur les gens. Merde. Non!
Oh, ça va être chiant, ça va être chiant. Mais ouais, on pourrait leur demander, genre où est la porte, ou alors, je sais pas, aidez-nous. Il est où le corbeau? Il a. Cool. J'ai remis les lunettes aussi au passage. C'est pas elle qui décide de tirer n'importe comment. Ouais. Non, on peut pas monter sur la table. Bonjour. Je suis Lara Croft. Je viens réquisitionner vos artefacts. Oh mon Dieu. Stop. Ah! Ils sont ultra résistants, c'est quand même un peu abusé. Ok, donc là il nous faut une clé, ça marche. On a une porte avec une serrure. Elle parle pas ok, mais heureusement, sinon elle parlerait toute seule comme dans les jeux aujourd'hui. Les reboots. Je peux tellement plus la voir, la Lara des reboots. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Ah, il y a une intrusion! Non! J'ai tiré dessus, je crois. Ah, c'est compliqué, hein! C'est bon, on est potes, potes? On est potes, c'est bon. On est toujours potes. Y a pas un succès genre tuer tous les moines aussi? Genre génocider le temple, le monastère? Ils auraient pu faire ça? Alors attends, parce que là-bas on avait quoi du coup? On a des roues, viens, on va s'amuser avec les roues. Ça, il est pas dangereux votre monastère. Il nous faut une clé, on n'a pas de clé, demi-tour. Il nous faut encore une clé, on n'a pas de clé, demi-tour. Cool. Ah, le jeu d'aujourd'hui en général, ça marche. Ça marche, ça marche. Hé, le moine, arrête de toucher Lara. Tu peux le faire à la fin du niveau quand tu es tout ouvert. Ils sont tous dans le hall, d'accord. On fera peut-être un petit génocide pour le fun. Ouh, c'est joli. Ah, on va pas devoir sauter sur les mains. Je m'en rappelle de ça, plus ou moins. S'en servir comme plateforme, un truc comme ça. Oh mon Dieu, oh, il y a plein d'endroits à visiter, c'est chaud. Bonjour, je viens réquisitionner la clé qui m'appartient pas. C'est pour le bien du monde. C'est quoi cette clé? Clé du grand hall. Sauvegarder. Clé du grand hall. Non, merde. Non, ça va. Il y a un passage là.
Ouais. Non, mais ça par contre, le fait de montrer quand t'es en contrôle moderne, c'est un peu chaud. Encore une fois, qu'on a une réactivité genre 8 fois plus développée avec le joystick, mais c'est un peu chaud en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On descend ou on monte? Ah, ok. Ça absorbe ça. Déjà ceux qui la voient nuit, ils meurent. Alors la toucher, elle de toute ta famille. Oui, c'est vrai que le seul qui l'a vu se déshabiller en est mort. Il en est mort. Je sais pas s'il fallait aller dans l'eau en premier. Tu peux passer, je crois. Dans l'eau? On peut aller voir. Je peux pas pousser plus que ça. Ah! Bizarre. Pourquoi je peux pas pousser plus que ça? Est-ce qu'il fallait le faire et peut-être faut faire demi-tour et le faire de l'autre côté, genre tirer le reste de l'autre côté? En longeant le bord? Ok, on y va. On y va. Tiens sa respiration. Vas-y, yes! Bien vu. En haut ou en bas? Ok. C'est de l'eau, ça? Je sais pas. Ça va. C'était assez profond. Ouh, c'est joli. Hein. Pénitent est passé. Okay, où est-ce qu'on est maintenant? Nouvelle salle. Ah! Oh merde. C'est chaud. Attends. On va d'abord sauvegarder parce que je sens que je vais faire une connerie. Je vais tirer sur le moine. Vous pouvez... Vous pouvez vous décoller l'un de l'autre. Voilà. Non mais Lara. Oh oh. Oh. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait mal toi. Ouf. Tu m'as fait un tiers de ma vie, je crois. Oh la vache. Ah, tu m'as démonté un tiers de ma vie, c'est cool. Ah ah! Donc du coup on peut faire demi-tour maintenant. Bon, en fait on pouvait le faire sans problème. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais... Bon, on a un raccourci. Je sais pas à quoi il sert, mais on a un raccourci. Tu installes ça dans les égouts des moines. Ah, les moines reclus, hein, il faut bien qu'ils s'amusent, hein, faut bien qu'ils trouvent des passe-temps. Hein. C'est pas un des rouleaux, ça? Oh mon dieu. Ah ouais, ok.
C'est pas un dérouleau, ça. Qu'est-ce qui se passe? Attends, quelqu'un qui m'attaque? Non. Ok. Ça, c'est un peu la musique de combat, quand même. Attends. Attends. Est-ce que le truc a rétréci? Attends, faut que je recharge. Est-ce que le rouleau a rétréci pendant quand je l'ai pris? C'est marrant. Non, il dit... Je sais pas, non. Ah. Donc ça, ça fait partie des rouleaux à prendre. Le moulin à pierre. Et je crois qu'il en faut beaucoup de ça. Genre 4, 5, un truc comme ça. Comment on passe? Pas comme ça. Ok, cool. Nickel. Bon, demi-tour. Ah, j'avais pas fait ça. Mince. 5, je crois. Ok. Les petites musiques sont top, quand même. À pierre? À pierre. Oui. Ah, prière, pardon. Prière, pas pierre. Prière. Je sais pas, j'ai lu trop vite, c'est vrai. Bien vu. Vu qu'on a parlé de pierre plutôt, du coup j'ai dit pierre automatiquement. Moulin à prière. Du coup, nous on a une clé du grand hall. Je sais pas. Est-ce que... Ah, c'est peut-être la porte à double battant qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être ça. Bonjour. J'ai un de vos rouleaux, hein. Un de vos rouleaux sacrés qui doit vraiment... qui doit énormément compter pour vous. Je l'ai pris. Attends. Vous l'avez tué? Bien joué. Excusez-moi, je passe. Ah! Attention! Attention aux roues! Dangereux votre truc. Qu'est-ce que c'est là? Yes! Oh lolo. C'est grand. C'est Jean-François, bienvenue. Bienvenue, Jean-François. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Bienvenue. Ça... Oh. Attaque. Putain. Attends. Non. C'est chaud là. Ok. L'autre il est presque mort. Vas-y, il est one shot. Il est one shot. Go. Yeah, bien joué. On dirait qu'on joue à Apex. Au. Font mal vos tissus là. On est de retour. Ouh, là. Ah oui, non mais c'est la grande porte. Bon, on va voir qu'on trouve le chemin suivant. Comme j'ai dit, hein, je vais beaucoup tâtonner dans ce niveau. Hein. Je me rappelle de strictement rien. Mais à part les rouleaux, c'est tout. On va aller là. Ça avance bien, on dirait. On a fait le premier niveau du Tibet avec les motoneiges. Ça s'est plus ou moins bien passé. Alors on est mort quelques fois quand même. Mais ça va, ça va. Et là, on vient d'arriver au monastère. Ouh la vache, c'est quoi ça? Putain.
On vient d'arriver au monastère, ça se passe. Ouh, une clé. Ça va, ça vous énerve pas que je prenne des clés? C'est joli, ça. Ah, peut-être que la clé Séraphin, elle était ici, peut-être. Et après, comme il se disait, là, elle a été volée par des brigands et elle était sur le bateau et puis le bateau, il a coulé. Parce qu'on est d'accord que ça, là, ce qu'on voit, c'est bien ça. Hein. Je pense. Honnêtement, je sais pas si c'est vraiment ce que je viens de dire, si c'est vrai, mais si c'est ça, bah, les détails sont vraiment cool. Les détails sont vraiment sympas. La tête de la statue en original. Ouais, je l'ai, on l'a déjà regardée, je peux aller y retourner. Elle était moche. La grosse statue, là, celle-là. On dirait qu'il faisait la gueule à l'époque. Là, on dirait un mec qui fait la gueule, quand même. Là, je veux pas dire, mais on dirait qu'il fait la gueule. Là, il est cool. Là, il fait la gueule. Ah ouf ! Coupé, le machin. Où est-ce qu'on va ? Excusez-moi, je suis trop bécasse pour passer par les grands trous, en fait. Donc du coup, c'est un peu un problème. C'est un cul-de-sac. Ça a l'air d'être un cul-de-sac. Même la caméra, elle est trop fat. Le drone, il est trop large pour passer. Je peux même pas passer en drone, c'est ça. Ah, ils aiment pas hein, les tables. Hein. Y a rien. Okay, okay, okay. Quelle clé on a? C'est peut-être en face. Clé de la chambre forte. Ça marche. Clé de la chambre forte. Je sais pas où est la chambre forte. Ouh, c'est un peu grand. Je vais voir. On va où là? Ah! Ah! On peut s'amuser à aller là. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Pas à grand chose pour le moment. Ah si, peut-être là. Ah, il nous faut un objet. Ok, ça marche. Donc ça sera pour plus tard. On a bien fait de regarder. Donc la chambre forte, elle est où? Excusez-moi, je cherche votre chambre forte. Il y a des caisses à tirer là. Excusez-moi, poussez-vous, poussez-vous. Je fais comme chez moi. J'aime bien la musique du jeu là, on l'entend pas trop trop. Attendez, peut-être qu'on peut un peu augmenter ça. Il y a un côté mystique qui a été rajouté, c'est sympa. Oh. C'est moi ou il y a... Non, il y a encore une caisse là. Comment je suis censé faire? Je crois qu'il y a des munitions de Uzi là-dessous. Ou alors des harpons, je sais pas. Attends, je suis censé mettre la caisse là. Oh là là, comment on fait? Oh non, mais c'est bon, si c'est juste pour des balles, ça va quoi. C'est du troll, c'est quand même, c'est vraiment les devs qui t'ont fait un jeu qu'on doit avec cette énigme. Bah, la seule façon que je vois, ce serait de tirer celle-là, mais du coup, je vais être dehors. Du coup, il faut trouver un autre chemin pour rentrer. Comme ça, après, je peux aligner les deux caisses et faire un pont et tirer celle du haut. Mais bon, ouais, c'est bah, assez relou, quoi. On n'a pas le temps. J'espère que c'est bien des munitions qui étaient sous la caisse. Hein. C'est pas autre chose.
C'est pas... Le réflexe trop lent, quoi. Trop bien. Super. Ah 30 balles de Uzi, ok. Et réflexe lent. Ah, j'aurais pu tellement m'attraper en plus. Attends, il y a un passage en haut. Ah, oh, derrière moi. Il y en a 4. Oh, vous avez pété un câble. J'ai pris la clé. Mais vous avez pété un câble. C'est où qu'il fallait qu'on est... Ouais, là-bas. On va sortir le lance-grenade. Eh, hey, pousse-toi. J'ai pas le temps. Mes balles de pistolet automatique. Eh ben, esquive-les en passant par la fenêtre, ça marche. Ah, les combats deviennent un peu violents ici. Ça rappelle un peu Venise, mais sous crack en fait. Ce Venise, il y avait aussi beaucoup de combats. Genre, souvent plusieurs cibles en fait en même temps. Là c'est violent. Ouais. Alors, on passe par la fenêtre. Venez m'aider. Oh les enfoirés. Allez, on attaque. On attaque mon armée. Go, 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 go. Bonne chance, hein. Bonne chance, les moines. Oh mon dieu. Oh, c'est la grande et plusieurs multiples échelles. Oh, yo, 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 yo. Alors, attends. Est-ce que ça sert à quelque chose de monter, genre maintenant? Parce que ça met tellement de temps. Ok, il y a un rouleau, donc on va devoir monter. Ah, oh, mais chier. Oh. Ah. Il y a des gens qui sont revenus. Je me demande qui a gagné. Quatre méchants avec des armes automatiques ou quatre moines avec des bâtons? Et de deux. Ok. Attends, je vais sauvegarder parce que je sens qu'en bas on va avoir une surprise. Okay. J'ai envie de... Ouais, ça.
Ah ouais, il y a des cadavres, hein. Ils arrêtent pas les balles. Ah merde. Il y a encore du combat. Bon, moi, je me fais le gagnant, hein. Bon, comment ils font mal quand t'es en face à face. Genre, il me fait fondre ma vie, quoi. C'est incroyable. On va éviter de faire des face à face. Mon dieu. Y a autre chose. Ah. Que ça vaut le coup de prendre le fusil à pompe dans ces cas-là. Je sais pas, on va voir. Le fusil à pompe du 3, j'aime beaucoup le skin. Parce qu'entre le 1 et le 2, il a pas changé vraiment. Mais le troisième a changé et puis un peu plus stylé. Ok, on a progressé. On a deux rouleaux, deux moulins. Et on a toujours la clé de la chambre forte. Ça marche. Ça marche, ça marche. Progressons encore. Continuons. C'est quoi ça? Une grande piscine. Super. Il y a un bloc à bouger, donc j'imagine qu'on va devoir vider ça. Sûrement ça. Où est-ce qu'on va? On a entendu des... On entend une sorte d'éboulement, en fait. Bon, on est d'accord que c'est pas ici, hein. On peut rien faire, là, pour le moment. J'ai pas loupé de... Ah, si! Si. Ouh! Bon, c'est pas vraiment ce que je cherchais, mais cool. Aidant. Ouais, je pense qu'il faut trouver un autre moyen d'y accéder, en fait. Ben, je crois. Le genre là, ouais. Ah, on se spoil un peu pour savoir où ça mène à peu près. D'accord. Ok. Ah! La pièce avec les roues à pic, c'est pas là la chambre forte. Peut-être. Oui, oui. Enfin, c'est fort possible. Là, pour l'instant, j'avance tout simplement parce qu'on a, on a pas tout... on est pas allé, en fait, de ce côté-là, donc... Oula! Oh! Combat. Non mais vous êtes trop là. Oh, ouais. Allez-y, allez-y. Ouais. Vous avez vraiment pas besoin de moi, quoi. C'est bien parce qu'il y en a plein de moines qui survivent. Maintenant ils sont 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois qu'il y en a au moins 9 là. En tout. Cool.
Bon, allons nous amuser. Ça a l'air peut-être fun cet endroit. Alors, comment on fait? Oh mon dieu. Pas comme ça. Ouais, on va peut-être sauter plutôt. Comment tu veux que je passe? J'ai testé une façon de passer. C'était pas vraiment la bonne. Attends, on va sauvegarder peut-être en... là. Même pas de secret. Ça fait mal. Bizarre la couleur de la clé. Je vais regarder s'il n'y avait pas de secret. Clé de la trappe. Attends. Parce que ce côté-là, il me paraît un peu long, en fait. Ah ah! Ok. Ça, c'était à prédire, ça. Connaissant le jeu, c'était évident. T'es content, bienvenue. C'est par où? C'est à droite. Ah, trop tôt. Pardon. Merde. Non, ça va. Ce genre de piège, c'est pas trop un problème quand t'es en contrôle moderne, en fait. Vu que tu peux tourner super simplement. Très bien. Très 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 bien. Ok, on est de retour ici. Donc on a deux clés à aller utiliser. On n'a plus qu'un dragon à trouver, c'est bien. Ok, Goldo, bienvenue. Bienvenue, plongeur de l'enfer. Du coup, demi-tour. La trappe, j'imagine que c'est celle qui est au fond, là, en face de nous. Ouais. Vu la couleur de la serrure, je pense qu'on est bon. Ce soir, peut-être après le stream, un peu. Vers minuit, du coup. Où est-ce qu'on est? Excusez-moi, monsieur le moine. Oh! Oh putain! Je suis pas sûr. Non, mais bonne chance, les moines, parce que j'ai pas envie de faire une gaffe. Ah, ils étaient en train de le teabag au fond. J'ai vu le teabag. Oh mon dieu, le massacre, quoi. C'est énorme.
On a une belle armée. On a une très très belle armée. Du coup, il y a quoi à faire ici? C'est la trappe. Je me débrouille pour être dispo pour minute. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Toujours sa massue. Oh. C'est quoi ça? C'est moche. Oula! En fait, c'est une deuxième partie, je crois, du niveau. C'est juste que le rendu est... Ouais, en fait, le rendu est bug un peu. Ça marche. On va peut-être sortir les pistolets auto. Vous avez piqué une tête dans l'eau en vrai? Pour les plongeurs? Non. Non, c'est pour du Helldivers 2. Les plongeurs de l'enfer 2. Ah, c'est pas la même hein, quand on traduit en français. On a un... Wow, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Attends, attends! Attends, corbeau! Le fusil à pompe est pas mal. Le fusil à pompe est vraiment pas mal. Ouais, ouais, vraiment pas mal. Bon, faut être de près et tout ça, évidemment, mais... C'est pas mal pour les méchants. Non. On va au pont, j'imagine. Oh putain, c'est un moine, bordel. Qu'est-ce que tu fous là, le moine? Ah, doucement, Lara. Oh mon dieu, elle a... Elle change tellement de visée, tellement vite. Ah! Attends, c'est pas toi. Non, non. Oh, c'est compliqué, hein, pour choisir ses cibles. Vache. Où est-ce qu'on va? Je sais pas du tout où est-ce qu'on va en fait. Là. Ok. On va sauvegarder. Helldivers 2 qui est très très bien au passage. Très bon jeu multijoueur. Si on aime le style. Et de 3. Quelqu'un se rappelle du nombre exact qu'il faut? On avait dit quoi au début? 4 ou 5? Ah, qu'est-ce qui se passe? Il est méchant. Ah, Lara! Mon dieu, Lara. Attends, je te laisse le finir parce que... un peu peur. Est-ce que... Ça, c'est un truc que je me demande depuis tout à l'heure, là. Si jamais je suis en train de tirer sur un ennemi et qu'il y a un moine qui me passe devant, on est d'accord que mes tirs vont pas toucher le moine. Genre, le jeu, il est pas codé comme ça. Le jeu, il est codé...
en fonction, genre la balle va toucher la cible que je vise et pas va pas traverser en fait. On est d'accord. Hein. Mais j'ai toujours un doute en fait sur ça. Multi sympa mais en solo bof. Ah avec les randoms c'est marrant. Plongeur dans Helldiver ça va mais pas dans Subnautica. Plonger dans Helldiver ça va mais pas dans Subnautica, c'est exactement ça. Le jeu est codé. Le jeu est codé. Le jeu est très bien codé. Hein. Où est-ce qu'on va? Ah, trop sur le côté. Ça par contre, c'est un peu compliqué à faire avec les contrôles modernes. Ça, c'est un truc que j'arrive pas du tout à faire en fait avec les contrôles. Ok, ouais, c'est un peu chaud quoi. Ça passe. Ok, c'est bon, on peut partir là. On a fait notre, on a récupéré le rouleau. C'est tout ce qu'on voulait, je pense. Je pense que c'est tout ce qu'on voulait. Pas sûr que ça touche pas le moine, ouais, c'est pour ça que des fois j'hésite un peu. On a eu notre rouleau, donc on est bon. Donc maintenant, chambre forte, si on peut la trouver. Et il nous manque qu'un seul dragon. On repasse par là. Ah non, bah non, non, non. La porte. La porte, la porte. Très bien. Alors, on avait dit la chambre avec les roues. Ouais, genre là, ouais. Ça marche. Quelle grâce! Comment on esquive ça, quoi, c'est magnifique. Non. 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 C'est pas ça. C'est pas là la chambre forte. Du coup. Là, alors. C'est vrai que ça a l'air d'être une chambre forte. Ah, pour les moines, apparemment, ça c'est une porte qui protège les choses chères. Il te manque un seul... Ouais, il me manque le dragon d'or. Ouh, une clé qui est toute petite. Il y a aucun... Ouais, il n'y a aucune logique dans les clés. C'est très bizarre. Il y a certaines clés qui sont grosses, certaines qui sont petites. C'est l'inconsistance, ça c'est un truc que je supporte pas vraiment dans les jeux. Genre, on t'habitue à quelque chose et sans aucune raison, on fait l'inverse. Ça, c'est vraiment des choses mauvaises dans les jeux la plupart du temps. Donc, ça m'embête un peu que ça soit comme ça, mais bon. C'est triste. Clé du toit, peut-être, alors. Ils auraient pu faire en sorte que la clé ouvre là, hein, en fait. Genre, c'est juste rajouter du... Juste rajouter des portes, juste pour rajouter des portes, en fait. Ah là là, sacré Tomb Raider. Sacré Tomb Raider. L'inconsistance et l'incontinent, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On dirait qu'ils ont pas tout fini dans le jeu. Il y a quelques petites choses qui ont l'air bâclées en effet. Ouais. En plus, bon là je l'ai plus la clé, mais même la forme de la clé, genre les grosses clés, elles ont l'air d'être genre très vite faites, genre sans aucun détail, alors que les petites clés, elles sont mieux faites. Mais du coup, ouais, il y en a qui sont toutes petites, il y en a qui sont super grosses, ça a pas vraiment de logique. What? Oh. Huh. Il y a des yeux qui bougent.
C'est marrant ça. C'est marrant ça. Oh non, ça va être chronométré. Go, 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 go. Ah putain, oui, voilà. Je savais qu'il y avait une arnaque. Mais on a l'avantage du joystick, et voilà. Je crois qu'il nous faut un objet ici. Rien que pour passer ça en temps de contrôle, c'est super relou. J'avoue que le joystick, ça, ça aide pour ces choses comme ça. C'est... Oh là, oh là, oh là, oh là. Tiens, deux cartouches. Il est one shot, finissez-le. Bien joué. Bien joué, Fireteam. On a un passage en haut. On a des babales. Ça, c'est du M16. Et là, on y était déjà. Ça marche. Cool. Mais il paraît qu'ils sont en train de travailler sur un gros patch. Mais j'ai rien vu de vraiment officiel. J'ai l'impression que c'est des sources, en fait, du studio. Genre des gens qui travaillent là-bas, qui balancent des leaks, en fait. C'est un peu bizarre. Mais ouais, déjà que, je sais pas si vous êtes au courant, j'en avais bug de YouTube. Merde, non. Ah, on va sauvegarder. YouTube. Ah, YouTube bug, minute. Normalement sur Tonton, ça marche toujours hein, le stream sur sur Twitch, on est d'accord. Ça l'avait déjà fait la dernière fois. Passer définitivement sur Twitch. Ouais, c'est un peu embêtant. Sur Twitch, tu es là. Ouais, ça marche. Ouais. Bien ce que je pensais. C'est marrant, ça veut pas se... Bah merde alors. Ça veut pas reprendre. C'est bizarre, ça veut pas reprendre pour YouTube. Ah, tu vas pas me dire que... YouTube, réveille-toi, quoi, merde. Nul, YouTube, nul, j'avoue. J'avoue. Non, non, je le dis si ça marche. J'arrive en fait à se connecter, mais le bitrate est extrêmement bas, extrêmement rouge. Ah. Ah, je vais devoir faire un autre stream pour YouTube, merde. Je relance un stream pour YouTube. Normalement, c'était YouTube qui était beaucoup plus viable avant. Maintenant, ça y est, c'est devenu
C'est devenu une catastrophe. Désolé pour ce contretemps. Ah, mamma mia. Hop. Hop. Apparemment, il n'y a pas que toi qui bug sur YouTube. J'ai lancé un autre stream, ça passe pas. Okay. Ouais, après, c'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent genre des régions entières qui fonctionnent plus. Hein. Ça, j'ai. Et le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose qu'on puisse faire, en fait. Ouais, là, j'ai relancé un nouveau stream. Genre, j'ai fait un nouveau stream et c'est tout dans le rouge. C'est tout dans le rouge. Attendez. Je vais re-sauvegarder pour être sûr. On va se mettre là pour le moment, comme ça on a la musique. Ouais, c'est toujours en rouge. Ça, c'est embêtant parce que. Merci pour le follow, Cusack. Heureux. Heureux. Donc, ouais, comme je disais, pour le moment, c'est vraiment YouTube qui a l'air de complètement bugger. Embêtant. Bon, après, à la limite, je peux enregistrer et je mettrai la suite sur YouTube parce que j'ai envie de faire le let's play en fait sur YouTube aussi quand même. Mais ouais, non, j'arrive même plus à me connecter en fait sur YouTube. Ouais, on va juste passer encore 1 ou 2 minutes, puis après, on continue le jeu. Je vais pas passer 20 minutes à essayer de fixer les problèmes qui sont pas de mon côté, du coup, parce que ça sert à rien. On va juste attendre 1 ou 2 minutes, j'essaye de connecter, de faire un autre stream pour YouTube. Si ça marche pas, on continue juste avec Twitch, c'est tout. Je vais enregistrer en même temps. Alors. Gérer les diffusions. Honteux YouTube! J'avoue. Je vais voir si j'arrive à me connecter. C'est en jaune, c'est en rouge. Ouais, non. Non, la connexion YouTube est en rouge. Genre, leur serveur doit vraiment avoir des problèmes. Doit vraiment être mort en fait. Serveur de stream ou un truc comme ça. Ça doit vraiment être mort. Impossible. Impossible de se connecter. Ah mais c'est bête. Je vais juste faire un truc. Pour le moment. De minage avait besoin d'une prise de courant. Ah, j'ai dit, mais c'est quoi tous ces serveurs et tout ça là? Ils en ont pas besoin. Moi j'ai besoin de passer l'aspirateur. On va débrancher ça. Allez, on reteste. J'ai pas envie de passer 3 heures dessus. Jaune, vert. Ah, vert, vert.
Ah, c'est vert. Ça me fait chier, du coup les streams ils sont coupés en deux, relou quoi. Relou, relou. On est vert. Passer au direct, vas-y, fais voir si ça marche. Ok, on est de retour, je crois, sur YouTube. Ah, ça va m'énerver, ça, que ça soit coupé en deux. Ah, j'aime bien quand c'est tout parfait, tout ça. T'es chiant. Gros pic de signaux sur Down Detector. Ah, c'est top. Ça remarche, ok. Bon, bah voilà. Du coup, il y avait... Alors, attendez que je foute pas le bordel. Ok. On avait YouTube qui était... Donc, les streams de YouTube étaient impossibles pendant, genre, 5 minutes, là. Donc du coup, j'ai dû mettre fin, c'était pas vraiment voulu, mais j'ai mis fin au premier stream, donc maintenant on est sur la deuxième partie du stream. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça! Mais voilà. Si jamais vous cherchez les liens, c'est dans la description. Il y a les liens YouTube, il y a les liens Twitch et tout ça. Donc voilà. Si jamais YouTube refait des siennes, passez sur Twitch si vous voulez. Ou à la limite, si vous pouvez avoir genre un chat de YouTube ouvert, mais fermer l'image, ouvrir le stream de Twitch, vice versa. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ok, on est bon. On est reparti. Perfectionniste, c'est un peu ça, ouais. Ouais, pour ce genre de choses, j'aime bien que ça soit carré. Mais ouais, là, du coup, ça fait deux strips. Ah, YouTube, pardon. Ok. Oh mon dieu, YouTube, sacré YouTube. Donc, pour ceux qui... Je sais pas, pour ceux qui sont restés sur, sur YouTube, si je montre... Oui, il faudrait montrer le jeu aussi, peut-être. Ce serait bien. Ce serait bien de montrer le jeu. Pour ceux qui sont restés sur YouTube, on est arrivé là. Les moines ont tué une personne. On vient de passer le feu. Voilà, on vient de passer le feu et on vient d'arriver à cet endroit-là. Ah, ça va me stresser maintenant. Je vais faire que regarder si YouTube ne plante pas. En tout cas, merci de m'avoir prévenu parce qu'honnêtement, la plupart du temps, enfin, tout le temps même, je regarde plutôt le chat et pas la connexion. Donc merci beaucoup. Faudrait que je corrige les problèmes de stream. Enfin bref, c'est pas grave. On est là. Ça lag. Bah c'est bien. Ça va être bien. C'est vrai que ça lag, sérieux. La connexion est pas bonne. Pour l'instant, la connexion me dit qu'elle est bonne. Peut-être que ça va s'arranger au bout d'un moment. J'en sais rien. En tout cas, moi, je peux rien faire. C'est pas de mon côté. Ça lag de fou sur YouTube. Ah ouais. Ouais, ouais. Je vois ça. Ouais, non, mais ça vient d'eux, alors. Non, ça vient vraiment d'eux. Parce que pour moi, la connexion est parfaite. Donc, ça doit être encore les problèmes d'eux. De retour, ok. Je regarde en même temps. Bon, je vais juste écrire de si jamais il y a encore des problèmes. Une seconde. YouTube. Voilà, je sais pas en fait du coup si ça marche. Alors, sur Twitch ça reste clean, ok, ça marche. Let's go. Bon, on va avancer, parce que ça va m'énerver. En fait, je peux rien faire vu que ça vient de YouTube directement. Mais ouais, si c'est impossible de regarder que c'est pas propre et tout ça, passez directement sur Twitch. On avance!
On avance. Et on a aussi récupéré des munitions de M16 qui étaient là. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à récupérer. Tamila Nat, elle est stylée. Elle est très très belle. Elle est très très belle. En plus, je crois que dans Angel of Darkness, je crois qu'elle a une natte comme ça, Lara. Donc du coup, c'est un peu canon. Bon, après, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une queue de cheval, une natte, juste les cheveux lisses. On sait pas vraiment. Donc du coup, ça marche bien. Je passe sur Twitch, que ça marche. Je reste là, ça marche. Et on est de retour ici. Oh merde. Ah non, c'est au même endroit, ça va. Oh! C'est à moi tout ça. C'est à moi les bijoux. Voir la gueule que ça a. Des sortes de cristaux, en fait. Ça marche. Mmh. 950. Oh bah très bien, on a eu deux endroits où faut mettre ces cristaux-là. Très très bien. Il y a aussi des modes stylés avec les animaux, j'ai vu, j'ai pas critiqué le jeu, qu'on a eu qu'un. C'est un miracle de l'avoir, mais bon. Genre les graphismes des animaux qui sont améliorés, c'est ça? Attends, il y a un, deux. Là, c'est quoi? Ah, on peut rentrer par là? Ah, mais non, c'est pour ressortir. Pardon. Ah, la frustration. La frustration. Me revoilà sur Twitch. Bienvenue, re-bienvenue. Ah, c'est pour ça que j'ai mis le message, si jamais on pouvait pas regarder, que c'était horrible de venir sur Twitch. Let's go. Il y a plus de détails? Ouais. Je tire ou je pousse? On va tirer. J'ai vu ça. Après, il y avait même des modes pour... les FMV là, enfin les FMV, les cinématiques, les vidéos là, en meilleure qualité et tout ça. Mais j'avais pas envie de trop changer des choses comme ça pour le moment. Pas tant que j'ai pas fait le jeu en entier. Ouh. Mais ouais, il y a pas mal de petits modes. Il y en a un peut-être que je vais essayer de le mettre. C'est pour changer de vêtements grâce au mode photo. Genre, t'as le mode photo où tu peux faire ça, par exemple. Et ça reste, en fait. Genre, ça revient pas par défaut. Ça reste. Donc, tu peux changer les vêtements à souhait. Donc, ça, c'est pas mal. Ça peut être cool. Oh! Vous avez tué le méchant. Très bien, bien joué les moines. Du coup, on va où? Okay. Non, on retourne dans le monastère. Je sais plus où il y a un endroit pour utiliser un des bijoux là. Mais on va voir ça. Je me rappelle. Ah si, c'est après la main, je crois, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est là. Ça marche. Du coup, c'est par là, je crois bien. Il y a plein de petits modes, j'ai vu. Genre pour les lunettes aussi, par exemple, de Lara, on peut les changer pour... Je crois que c'est les lunettes de... Angel of Darkness ou un truc comme ça. Genre des jeux un peu plus récents, des lunettes noires, au lieu d'avoir les lunettes rondes, rouges. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut changer.
Oui. Est-ce que c'est pas trop loin? Y a pas un truc à faire avant? Maintenant que je réalise, c'est peut-être un peu trop loin en fait, non? Ah, c'est là où on met les trucs. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il en faut 5. Ils ont même foutu une couronne. Oui. Il y a même une couronne. Puis après, oui, il y a Lara avec encore moins de vêtements. Non, mais je pense que c'est moi qui ai mal sauté, en fait. On y retourne. On y retourne. Ah, attends, il y a quoi là derrière? Ah! Ah! Ouh, plein de munitions M16. Ça, c'est bien ça. Ah, combien, tu vois? Eh! Pas mal! Je connais pas cette histoire de quoi. On parle des mods qu'on peut trouver sur, genre le Nexus par exemple, pour le jeu. Il y a des couronnes, des lunettes, des vêtements, ou pas, plein de mods. Donc, est-ce que c'est moi qui ai mal sauté ou pas? Yes! On est bon. Du coup, on fait comment maintenant là? Ah, un long saut. Okay, ça marche. Non. Wing. Très bien. C'était où ça? Ah oui, en dessous. Oh mon dieu. Comment on descend sans se tuer? Ça fait mal. C'est pas grave. On a combien de moulins là? On a 4? On a 4. Donc il en manque plus qu'un. J'espère qu'on est sur la bonne voie. Ah, l'eau! Ok, ça marche. Bonjour. Fantôme moine. Y a pas quelque chose à activer? Non. Comment on enlève l'eau? Comment on retire l'eau? Ah si, j'ai compris, il faut mettre la caisse. Oh mon dieu. Quelques petits problèmes. J'y arrive pas. Pousser peut-être. Pousser. Quoi faire ? Compliqué, hein? Voilà. C'est un peu mieux, là.
Ben voilà. On est bon. On peut progresser. T'es Shayna. Comment est le stream, Shayna? Parce que YouTube a eu des problèmes. Genre pendant une dizaine de minutes, c'était impossible de streamer. Et après, ça mettait du temps. Enfin, ça laguait après. Je sais pas si c'est... Mais on a le cinquième. Ça y est. Oui. On peut partir. Dégueulasse. Ok. 10 FPS, ouais. Là, je peux rien faire. Genre, pour moi, ça dit que ça marche nickel, y a pas de problème. Le truc, en plus, c'est que techniquement, si je dis pas de bêtises, le stream en vidéo, il sera bien parce que les serveurs vont corriger les problèmes. Mais à regarder, ouais, ça doit être dégueulasse. Attends, je vais épingler ça. Hop. Ah, épingler ce message. Voilà. Très bien. 10 FPS comme les jeux d'avant, comme à l'époque. Du coup, attends, c'est où la grande salle? C'est là-bas la grande salle. Bah on y a réussi? Oui, on a réussi. Je me demande ce qui me manquait à l'époque. Genre quand j'avais fait du Tomb Raider 2 là et que je m'étais arrêté parce que je trouvais pas la solution. Il devait me manquer un seul rouleau, je pense, et j'arrivais pas à le trouver. C'était où? C'était là. Yeah, let's go! Je pensais que c'est possible qu'ils nous patchent le jeu pour avoir des graphismes old school en 60 FPS. Je pense pas que les devs vont le faire parce que je pense que ça va à l'encontre de ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire garder le côté old school, mais il y a peut-être des mods qui fixent ça. Mais ça m'étonnerait que les devs le fassent eux-mêmes en fait, nous donnent la possibilité de jouer normalement. Ça rame à mort sur YouTube, ouais bah c'est mort. Je vais laisser le stream de YouTube fonctionner comme ça, puis j'ai mis en message épinglé de venir sur Twitch si c'est le bordel, si c'est trop la merde, pardon. Ouh, c'est joli. Mais j'avoue que moi ça me dérangerait pas hein, de jouer tout en comme ça en fait. Ce serait assez marrant, mais là ouais, là on... Avec les FPS, c'est horrible. Ooh. Tada ! Une heure, voilà. Une heure. Ah, il est long ce niveau. Il est long. Tes modos ici aussi. Oh. Après, je peux te l'enlever si tu veux. Oh, c'est pas là qu'on va se taper des yétis? Attends, là c'est quoi le nom? Les catacombes du Talion. Tombe. Hop là. À partir de maintenant, je peux plus t'aider car j'ai pas avancé. Moi, je me rappelle qu'il y a des yétis, je crois. À peu près tout. Oh, la caméra, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me... Oh non, commence pas. Alors... Oh mon dieu, ça va être compliqué ce niveau. Ah bah tiens, on a un dragon dès le début.
marche. Ça va être compliqué. Model School va vraiment sauver, m'a vraiment sauvé sur les niveaux de la citerne. C'était abusé, les crédits. Qu'est-ce qui se passe? Y'a rien. Calme-toi, la musique, voyons. Ouais, ouais, la citerne avec les clés, là, c'était catastrophique. Je suis assez impatient de voir comment... C'est bien. Ça, je m'en rappelle aussi. Ça, je m'en rappelle. Ils l'ont pas modifié, c'est top. Ha, ils ont gardé les Yetis. Les Yetis qui gueulent sans cesse, là. GG, merci. Merci bien. J'essaie de faire ça, mais la caméra n'a pas été coopérative, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire. Est-ce qu'on va glisser, là, ou pas? Merde. Ah! Mais bon. C'est pas là qu'on doit aller. Ah! C'était la petite. Hein. Non! Doucement. Putain, la cam, la cam, la cam. Ok, la cam vraiment veut vraiment être embêtante. Oh, fais voir la gueule que ça a, ces trucs. Ah! Oh. Oh, d'accord, ok. Oh, la tête. C'est moche. Ah, c'est mieux comme ça quand même. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, on passe comment? Go, 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 go! Tiens, mange le Yeti! Dinosaure, Yeti, créature, on s'en fout. Nous, on tue tout le monde. Aucune distinction. De toute façon, c'est ou ça ou tu finis au cirque, donc c'est un peu ton choix, quoi. C'est la grimpeuse, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Je viens de faire ça, j'ai pas regardé ce que ça faisait. Ah ah, on a fermé la porte. Ok, là on l'a ouverte. Ok, il y a une panthère qui arrive. C'est la porte où on était tout à l'heure, en fait. Ça marche. Let's go. Toujours sur le DLC ou bien... Non, on est sur Tomb Raider 2, là. On est au Tibet. On a passé le monastère. Ah, le DLC, on l'a fait en une fois. Le DLC du 1. C'était là. Ouais, c'était là, je crois. Là, c'est plus résistant qu'un Yeti, quoi. Ok.
DLC du 1 était remis dans l'ordre des niveaux. J'ai pas capté pourquoi à un moment j'ai reperdu tout mon stuff. Alors moi je l'ai pas fait, mais apparemment il y a deux histoires en fait pendant... Enfin je l'ai pas fait, je l'avais pas fait avant, c'est ça que je veux dire. Donc du coup je l'ai découvert, donc je sais pas s'ils ont inversé les niveaux. Mais je crois qu'il y avait une personne qui m'avait dit oui. Mais il y a deux histoires en fait, il y a... Oh merde. Il y a une histoire où on retourne à Atlantide. What? Ah mais je suis en bas en fait. J'aurais dû prendre les Uzi depuis le départ, en plus on a plein de munitions. C'était vraiment du gâchis, enfin, c'est pas grave. Donc oui, il y a deux histoires. On retourne à Atlantide pour détruire les mutants en fait, ce qui reste. Et après il y a une histoire où on retourne dans l'Egypte pour récupérer un artefact. Donc c'est pour ça qu'à un moment, on perd tout notre stuff. En gros, c'est ça. Mais vu qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de cinématique, il n'y a strictement rien qui t'indique ce qui se passe, bah c'est un peu étrange, en fait. Mais grosso modo, c'est ce qui se passe. Genre, le jeu te fait enchaîner les... te fait enchaîner les niveaux, mais ouais... Ça prête à confusion, quoi. Ça prête un peu à confusion. Même moi, je savais pas trop ce qui se passait. On m'a expliqué hein, ce qu'on faisait. Moi, on m'a expliqué ce qu'on faisait hein, parce que je comprenais rien du tout. Je voyais pas pourquoi on était à Atlantide. On était de retour. Il y avait que du combat la plupart du temps. C'était super compliqué, super difficile. Puis apparemment, ouais, on était là pour détruire les mutants, le reste des mutants. Et après, on devait chercher un artefact de chat en Égypte. Quelque chose comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Non! Je me suis loupé quand même. Les gars, ils en cassent plus que les Yétis. Les gars, ouais. Les mecs, ouais. Ils ont sûrement des gilets pare-balles. Une belle purge, les mutants qui sautent partout, j'avoue. Ah ouais, non, c'était compliqué. Hein. Les mutants, c'est super compliqué à combattre. Ils sont méga rapides. Ils sont extrêmement vénères. Il y a un truc derrière moi. Ouais, il y a un truc derrière. Hop. Un peu cool. Yes! C'est joli ça. C'est joli ça. C'est un masque. Masque tibétain. Ah. Oh. Bon, bah du coup, on a fini ici, je pense. Hein. On va faire un petit tour, vite fait. Je pense qu'on peut passer dans l'eau. Attends, peut-être là. Ouais, là, on va pouvoir... Ouais, il me manque là, à peu près. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Lol. Tu savais que tu pouvais faire des saltos pendant ton plongeon. Est-ce qu'il faut pas une certaine distance en fait de saut? Ou alors est-ce qu'il faut appuyer sur une touche spéciale? Parce que sinon je sais pas. Mais je sais qu'elle peut tourner ouais, pendant qu'elle tombe. Comment on fait? Non, pas comme ça. Ah, c'est B là, apparemment, je crois. Touche rond, roulade, ok. Ça marche, je vais voir un peu. Donc c'est B. Oui!
Ah, t'aurais pu faire comme Iron Man quand même. Mais pas le masque, tu vas te transformer. Est-ce qu'on va on va réussir à remplir notre quota aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on va pouvoir remplir notre quota? Paraît qu'ils vont refaire le 4. Oui, il paraît. Il paraît. Mais je crois qu'il n'y a rien d'officiel pour le moment. Il y a de l'eau là? Non, il n'y a pas de l'eau là. Je sais pas, pour moi, le masque qui te transforme, ça m'a fait penser à... comment ça s'appelle? Oh merde, putain. Le jeu qui est multijoueur, qui fonctionne super bien là depuis quelques mois. Ah, j'ai le cerveau en bouillie. Shana, je t'en avais parlé du jeu multijoueur là. Et on t'envoie récupérer des objets. Oh mon Dieu. Lethal Company! C'est ça. C'est ça. Il y a un masque, si tu le portes, tu deviens un monstre. Du coup, j'ai pensé à ça, moi, en fait. Un easter egg dans le niveau haute sécurité du 3. D'accord. Par rapport au 4, c'est ça? Qui indiquerait que ils refont le 4. Porte ici. Où est-ce qu'on va? Un zombie, ouais. Ah, c'est compliqué ce niveau. Donc attends, nous on vient. Ah oui, je commence un peu à m'en rappeler. Je me rappelle d'un petit truc où genre ça. Je crois que. Ça, il faut le verser dans la glace, ça va casser la glace et ça va nous permettre d'aller là et de récupérer nous récupérer le gong là. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est pas vraiment le niveau le plus fun, hein. Je sais pas par où passer, comment continuer le niveau en fait. C'est quoi ça? Non. C'est un autre masque? C'est un autre masque, ça. J'ai l'impression qu'on tourne en carré. Pas mal. Pas mal. Elle est bonne. Elle est bonne. Ah, Lara, arrête de monter. Merci, Lara. Je sais pas. Bah on va là. Attends. Ouais, non, il y a que là. Il y a que là. On va continuer. Des rires. Oula, 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 oula. Oh! Ah,
Ils font mal, c'est con. Ah, on fait le mur, personne avance. Ils venaient d'où les deux autres? De gauche ou droite? On va tenter notre chance à gauche. Non, à droite. Derrière. Let's go. Je voulais acheter la trilogie, mais j'ai 5 premiers, tout mon CD, pas un du coup, je finis par renoncer. Ah, je dois dire que la version remastered est supérieure aux anciens quand même. C'est quand même nettement supérieur. Moi, je pourrais pas rejouer aux originaux. Oh, maman! Je pense que le problème, c'est pas les graphismes, parce que moi j'adore les vieux jeux, hein, je joue à plein de vieux jeux. Parasitive 2, hein, super. Rien que les contrôles, honnêtement, je pourrais même plus refaire les Tomb Raider en tant que contrôle. C'est juste trop lent au final. Même si c'est top, hein, les temps de contrôle. Mais je me suis tellement habitué aux contrôles modernes que. Ah, j'ai tellement plus envie d'y retoucher en tank. Le masque. Le gong. Ah, il y a quelque chose qui bouge. Quel avantage. Magnifique. Bon, on commence à être inondé de munitions. Enfin, quoique. Après, on en utilise beaucoup quand même. Allez. Ils sont blindés, les mecs. Ils ont des bons gilets pare-balles. Ils ont des armures de tier 5. Du coup, j'ai le masque. Du coup, on retourne là-bas. Merde. Comment on fait pour retourner là-bas? Telle est la question. T'as mis le temps à t'adapter au contrôle moderne. J'ai trouvé ça super hard, perso. J'ai joué à peu près 20 minutes avec, en fait. Ah, mais après, j'ai changé les touches, ce qui m'a beaucoup aidé. Genre, j'ai remis les touches de marcher sur la touche de marcher du tank control. Pareil pour les sauts, pareil pour l'action et tout ça. Donc après, ça va. Une fois que tu as compris en fait comment gérer la caméra, je pense que c'est le plus dur en fait. C'est gérer la caméra. Mais après, ça vient assez facile en fait. Pas pour moi. C'est pas aussi horrible que les gens le disent. Si tu te forces un peu, tu t'adaptes assez vite en fait. C'est juste qu'il faut absolument te forcer en fait à y jouer. Par où ? J'arrive pas à trouver le moyen de remonter en fait. Parce que là, nous, il faut qu'on remonte là. On va le faire à l'envers. Donc il faut que je trouve un moyen d'aller. Attends, sous l'eau peut-être ? C'est sombre. Il y a une vidéo conseil et contrôle sur YouTube. Et ouais, j'ai fait une vidéo dessus. Il y a juste un easter egg pour le 4, ça marche. Ça marche, Jean-François. Je joue bien sur PC, ouais. Avec une manette, par contre. Euh,
Il y a tellement de passages, j'arrive pas à trouver le passage qu'on doit prendre pour revenir en fait. Genre le pont? Ou alors. Non, le pont c'est derrière une porte, donc c'est pas le pont. Donc, comment je suis censé revenir là, moi? Oh là là, j'aime pas ce niveau. Pouvoir voir la rat face aussi, oui, ça change un peu. Ouais. Avoir le contrôle sur la caméra, c'est quand même sympa. Ouais. Merde. Là, y a rien, mais d'accord. Y'a rien. Demande au cadavre. Parce que là, je peux pas monter, on est d'accord. Je vois que ça, mais là, je vais glisser, ça me sert à rien. Peut-être pas. Sérieux, à chaque fois je suis trop près. Même ça ne sert à rien là. C'est fou ça. Ah, c'était bien les anciens Tomb Raider. Voilà, ça c'est du Tomb Raider tout craché, ça. Passe 5 minutes à chercher un chemin pour passer un pont, pour passer une porte. Mais en fait non, il y avait juste un bloc de pierre à côté. Aïe 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 aïe. Merde, tu l'as éteint. C'est la bonne musique de Yetis. Oh, un objet à gauche. Oh, let's go! Venez, venez! Je démonte, moi, je démonte. Doucement, doucement.
What? Merde. Plantage partout. Ouais, faut regarder sur sur Twitch. Les satellites qui se commencent à tomber. Il y a eu un petit plantage Twitch. Il n'y a pas eu grand chose, j'ai juste activé ça. Activé le levier qui a ouvert une porte. J'ai encore des fusées éclairantes ou pas. On est ok que tout le monde est bon. Enfin, Twitch fonctionne, on est d'accord. Par contre, je suis enfermé, je sais pas par où passer maintenant. Je suis con ou quoi? Silicon Valley, j'ai une bonne connect. Le wifi, il passe mal dans mon château. Non mais je suis débile ou quoi? What? What the fuck? Quelqu'un a une idée de ce qui se passe là? Je suis complètement bloqué. T'as un truc à faire avant d'actionner le switch. Ah, faut quoi? Faut mettre un bloc, genre pour éviter que ça. Ça, j'en sais rien. Ah, attends, ça? Ah, le bloc, non, bloc là, à droite. Ouais, ok. Ça marche. Enfin, je pense. Comment compliquer les choses? On fait ça? Ah, pardon. Eh ben. Ok. Merci. Merci, merci. Ah, c'est pour ça que j'aime pas ce niveau. Donc du coup, j'ai pas trop fait attention. Vas-y, ramène-toi. Okay, suivant. Ah. Ça saccade. Mais il faut regarder sur Twitch. Hein. Faut regarder sur Twitch. YouTube est mort pour le moment. Alors, attends, il y a une porte qui s'est ouverte, mais je sais pas laquelle. Ah, ok, c'est là, c'est bon. C'est... On est bon. On va se faire écraser par des boules. La joie des tremplins. Ça
Ça m'a pas l'air fun. Pourquoi il y a un passage là? Pourquoi il y a un passage là? Il n'y a rien du tout. Bizarre. Sympa. Là, on va sauvegarder au cas où. Si on alterne Twitch et YouTube, ça fait grimper les vues. Tu peux avoir les deux ouverts, honnêtement. Ça peut aider. Enfin, on n'en est pas... Genre pour Twitch, je crois, si je veux passer partenaire, il faudrait une centaine de viewers en même temps. Genre constant. Donc, c'est pas vraiment... le plus important. Donc, regardez où vous voulez. Oui! Dans l'eau. Ah, c'est quoi ça? Ces poissons? Quoi ces machins? Et tu streams torse nu sur Twitch, c'est ça? Faudrait que je stream dans ma piscine. Dont, bien sûr, je dispose, hein, évidemment. Ma piscine sur le toit. Hop là. Cosplay Lara. Ah Cosplay Lara, je dirais pas non pour acheter les lunettes rouges rondes. Et après, je fais des pyramides en carton. Et je les mets sur ma poitrine. Sous mon t-shirt. Ça sera cosplay Lara Croft du 1. Son classe lunettes comme celle de Léon. Ah oui, il faudra couper la barbe aussi. Ah non, oh non. Ah, mais ça fera Lara qui a pris trop d'hormones. Hein. Hein, ça passera. Ça passera. Faut pas exagérer quand même. je sais pas vraiment ce que je suis en train de faire. Fais voir. J'avance, mais est-ce que je loupe pas des choses? Lara, la femme à barbe. Il y a quoi là-haut? Ah! Faut revenir. Là-bas. Jacuzzi. Yes. Ok. Est-ce qu'il faut que j'aille sur les côtés? Merde alors. Je vais me prendre le mur. Ouais, voilà. Bien joué. Non, attends. Comment? Faut que je monte. Ouais, je monte au max en fait. Pourquoi me prendre la tête?
Quand j'ai avancé, j'avais pas vu qu'il y avait une échelle ici. Ah, il y a des messages d'erreur sur YouTube de tous les côtés, c'est ouf. Yes! Go! C'est notre premier, je crois. Non, notre deuxième. Ok, ça va. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir qu'on trouve le troisième. Il y a de l'espoir. Le cri quand elle tombe. Allez. Attends, il y a un truc derrière moi. Non. Oh. C'est quoi, c'est deux portes qui se sont ouvertes? C'est chaud quand il te montre pas où il faut aller. C'est où? C'est là? Oui, c'est deux portes. Ok, c'est une porte. Ça marche. Ah! Ça a un peu amorti ma chute, je crois. Ah, mais c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est peut-être pas maintenant alors. Le fait de faire tomber le... ça, là. Je sais pas, j'ai un doute maintenant. On est d'accord qu'on brûle. Hein. Ouais. Mais pour tester. Du coup, ça a ouvert où? Oh, j'ai pas fait attention. Ah, ça me rend fou de pas faire attention. C'était la grande porte là-bas, je crois. On fait que des allers-retours, c'est ouf. C'est ça. Non? Si, c'est ça. Oh la vache! Ok. On a un petit comité d'accueil. Ça marche. On va sortir le lance-grenade dans pas longtemps. Est-ce qu'on peut les déclencher comme ça? Ah, ils se cachent, hein. Arr, donne-moi ça. On va devoir soigner, ils font... C'est un peu compliqué de pas se faire toucher, en fait.
peu compliqué. Wow. Okay. Putain, encore! Ça va aller le coup. Je voulais déclencher les boules et me mettre à l'abri, mais... Peut-être que j'ai pas besoin de les déclencher, en fait. Faut tirer dedans ? Non, c'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. Ah ! Peut-être ça, alors. Ok. Je voulais absolument déclencher les boules, mais en fait, je sais même pas si ça sert vraiment. C'est juste pour voir s'il y a quelque chose derrière, en fait. J'ai pas l'impression. Non, ça servait absolument à rien de les déclencher, apparemment. Ouais, non, non, ça servait à rien. C'est pas grave. Oh! Ok. Genre, faut le faire rapidement, en fait. Ça passe. Oh! Ah, on a loupé le dernier! On a loupé le dernier. Ah, c'est pas grave. Après, si quelqu'un est au courant d'où il pouvait être, en fait. Ah, mais du coup, en fait, il faut revenir dans le niveau précédent. À un moment, on va revenir dans le niveau précédent. Les tremplins, c'est les tremplins maintenant. C'est bête parce que on n'était pas si mal. Je vais voir. Je pense que le... Le dragon, il devait peut-être être dans là-dedans, mais on n'y est pas allé. Ou alors, il faut y aller peut-être dans le niveau d'après, sûrement. Je vois pas vraiment où il aurait pu être, le dernier dragon. Je vois vraiment pas où il aurait pu être. Parce que j'ai pas vraiment... Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas chercher 3 ans.
Let's go. On avance. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont là-haut. C'est Wrong Turn, Tomb Raider 2. Nous sommes au Tibet. Nous sommes genre au 4e niveau, je crois, au Tibet. Avec les Yétis et tout ça. Ça va être une telle purge ici, où genre on va prendre les tremplins et on va mourir et tout, ça va être super fun. Ah, on ne glisse pas. Wow. Ça descend vite quand même. Hein. On va prendre les pistolets auto. Ils sont pas ultra ultra résistants les Yeti, donc pistolet auto ça devrait suffire. Il y a un passage là. Ils étaient quand même vachement hardcore à l'époque. Maintenant on a des sortes de trampolines, si tu te loupes, c'est la mort. Oh merde. Ok. C'est quoi ça? C'est pour faire une plateforme? J'espère que c'est pas chronométré. Oh! Comment on passe? C'est le pénitent, c'est ça? Oh yes! Le pénitent passe. J'espère que ça va jusqu'au bout parce que... Il faut tout simplement avoir la foi. Et ça fonctionne. Tout simple, tout simple. Oh tiens, en parlant de... Merci pour le follow. Bienvenue, bienvenue. En parlant de plateforme invisible, j'ai vu des gens sur Steam, c'était assez drôle, des gens sur Steam prendre des screenshots de la plateforme invisible où tu trouves les Uzi dans Tomb Raider 1. Alors après, est-ce que c'est du troll ou pas? J'en suis pas sûr honnêtement, parce que vu comment c'était écrit, ça avait l'air d'être complètement legit. La personne elle disait « Ah, j'espère qu'ils vont faire un patch ». J'espère qu'ils vont faire un patch parce qu'on voit pas la plateforme où il y a les Uzi. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait assez rire quand j'ai vu ça. C'était assez drôle. Après, il y avait plein de gens qui disaient non, mais c'est normal et tout ça. Comme dans Indiana Jones, exactement. Exactement. Ça, c'est des bonnes références. J'avais aussi trouvé un bug lorsque j'avais vu dans le vide. Ah, c'est vrai que quand tu connais pas, hein. Non, ça c'est d'où on vient. J'avoue que quand tu connais pas, ça peut prêter à confusion. Ah oui, c'est vrai qu'on a mis des plateformes là-bas. Ouais, je crois qu'il faut les utiliser. On va essayer de pas s'écraser comme une crêpe. Aïe!
Oh mon dieu. Non, on est mort. C'est trop bien. Trop bien ce niveau. Ok. Merde. C'est comme ça. Ah là là. Ok, ça fait quoi? Ça fait quoi? J'ai aucune idée de ce que ça a ouvert en fait. Genre, qu'est-ce qu'elle a montré la caméra que j'ai pas vu? Ça? Ah, genre maintenant tu peux sauter plus haut? Non. Ah, celui-là peut-être. Ça a ouvert un grillage, je crois. Ah, mon dieu, j'aime vraiment pas ce niveau. Attends. Oh, mon dieu. Je crois que c'est ça en fait, ça a ouvert une des grilles en fait, une sur deux. Ah, je crois qu'il y a une autre cloche où il faut tirer dessus pendant que tu sautes, si je me rappelle bien. Mais il faut que je trouve la cloche, en fait. Je crois que c'est ça ce qui me manque, là, maintenant. Parce qu'on a fait les leviers, je pense que c'est juste les cloches. Genre là, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas une cloche qui traîne? Ah, celle-là! Je crois que c'est ça. Je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. Non. Attends, si je fais comme ça. Ça va faire mal. Ouais, non, là c'est la mort là. Genre, tu vas pas me dire que je tire, genre, entre les moments où je vois la cloche, quand même. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, peut-être là-bas. Les tremplins pur régal, c'est magnifique, les tremplins. Peut-être celui-là. Bizarre. J'arrive pas à accéder à la cloche en fait, mais je crois que c'est bien ça. Hein. Il est chiant à choper. Ouais, on est d'accord que c'est bien ça, c'est bien ce qu'il faut faire. Hein. Faut voir si. Si je fais sur le côté. Je vais pas passer au Uzi quand même. Ah, c'est un peu hardcore quoi de passer au Uzi, mais bon, ça passe. Oh, aïe. Ma tête. Aïe, oh non. Non, là on est mort, c'est bon.
J'aime bien quand tu te loupes, t'es mort direct. C'est genre le niveau à te rendre fou, quoi. Faut que je le fasse à l'envers, c'est ça, quoi. Oh mon dieu. Non. Si je le fais comme ça. Ah non, ouais, non, du coup, non. Non, non, c'est... Non. Non plus. Non plus. Non. Ah, 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 non. Si on se met en biais. Non plus. Choper les flancs. Yes. Progression. Progression. Ah, faut que je fasse des sauts. Oh mon dieu. C'est bien. Ça devient fun. Ça devient super fun. Alors, faut voir. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, Lara? Des fois, elle veut pas... Des fois, elle veut pas enchaîner les sauts. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça arrive que avec les contrôles modernes. Oui, du coup, il me faut ça. Non! Pourquoi t'as pas voulu? Non, Lara, tu... Là, tu... Conspiration contre moi, là, par contre. Mais... Quand j'appuie sur saut, saute... On va se laisser tomber, en fait. Ok, du coup, ça fait quoi cette cloche maintenant? Ça fait quoi cette cloche? Pas compliqué ce niveau. Surtout que ça te montre strictement rien, quoi. Alors. Là? Non, là, c'est d'où on vient. On y retourne. Eh, cette fois, elle l'a pris d'un coup, quoi. Parfait. Il y a un sol derrière moi? Non, il n'y a pas de sol derrière moi. Ok. Tomb Raider Wildlands. Ça va être ouais, ça c'est des endroits vraiment horribles pour les contrôles modernes. Hop là, c'est bon. Très bien. On a le dragon d'argent.
Je voudrais bien trouver des sculptures, des dragons de Tomb Raider 2. Genre en bijoux à mettre, genre à exposer quelque part. Ce serait classe. Où est-ce que... Hop, par là. Donne-moi mon dragon. On en a deux. Okay. Oh. Très bien. Oh, masque. Ah, du coup, c'est pour le bâtiment du niveau précédent, c'est ça? Le masque, là. Je crois bien. Enfin, peut-être, j'en sais rien, en fait. Du coup, moi, je repars par là ou j'ai loupé un truc? Ouais, non, c'est bon. Les deux niveaux sont interconnectés, ouais. Ça marche. Chaud. Ah, le Tibet, c'est pas une partie de plaisir. Mais du coup, comment je repars, en fait? Par où je suis venu? Ça m'étonnerait, c'est fermé, je crois. Peut-être pas, en fait. Ah non! Attends, je fais pas ça pour rien, quand même. Genre, il faut que je reprenne la porte, ou... Je sais pas, on va voir. J'entends des bestioles, donc... Est-ce qu'on est à la bonne hauteur? Sésame, ouvre-toi! Non? Ok. C'est pas ça, là. Sésame, ouvre-toi. Si quelqu'un a une idée, hein, je suis preneur. Parce que là, je vois pas trop où aller, en fait. Peut-être que ça... Il fallait continuer la progression. Je sais même plus où j'ai sauvegardé. Attends, j'ai pris le masque. J'ai le masque. Il doit sûrement avoir une issue près du masque. Je suis peut-être aveugle. Ah, faut... ah, peut-être c'est un bloc à pousser. Non? Non. Voir peut-être avant. Ah. Ah. Mais bon. Merci.
dis-moi, on va s'amuser en bas. Ah tiens, on a dépassé le nombre de sauvegardes du 1. Je crois que... Ouais, j'étais quoi? J'avais fait 302, je crois, pour le premier jeu. Par où on descend? Je descends en biais, peut-être. Ah, ça va être fun. Ah oui, ok. Ça, c'est le bâtiment qu'on n'avait pas visité. Ça marche. Je me resitue un peu. Que les chiffres des sauvegardes se réinitialisent pour chaque nouvelle partie. Oui, j'étais assez surpris que ça le faisait pas. J'ai pas trop compris pourquoi, en fait, ils ont choisi cette façon de faire. C'est un peu étrange, ouais. C'est comme s'il fallait absolument effacer toute la sauvegarde, en fait. Genre, ton profil, quoi, j'ai envie de dire. Ça, c'est un peu bête. J'espère qu'il va pas avoir de problème, hein. Genre, si on arrive à, par exemple, à 999, que le jeu bug pas. Parce que... on va vite y arriver, hein. À refaire les jeux. Ah. Hop. Là, on va pouvoir prendre le gong. La masse. Yes. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, ils ont gardé. Ils ont gardé le même sprite. C'est marrant, ça, tiens. C'est marrant. Ah, ils se sont dit, ouais, non, mais bon... C'est tellement beau ce qu'on a fait. Enfin, c'est tellement beau l'original, on va le mettre dans le nouveau aussi. Oh merde, il y a des poissons. Ouais. Voilà, voilà, voilà. On est bon. Ah, mon dieu, tu fais mal. Tu fais super mal. On devrait se soigner, honnêtement. Si. J'allais dire, si je me rappelle bien, je crois qu'on va combattre un truc, genre un truc extrêmement gros, une sorte de boss. Donc on va devoir se soigner, je pense. Par contre, je sais pas par où on passe, droite ou gauche. Il y a du son. Attends, là c'est peut-être la sortie en fait. On va aller voir la porte. Il y a un truc là. Non. Hop. Ah putain. Allez. Ok.
Quel chemin est le bon en fait? On va faire un peu de. Ok, là il y a plein de grenades. Ouais, ça doit être des secondaires ça. Comme ça, j'ai pas besoin de revenir en arrière. Non mon dieu. Là, je crois que c'est un peu le petit détail qui te dit, genre le petit indice. Le mieux, ce serait d'utiliser ton lance-grenade. Plus je crois qu'on a masse de grenades, on doit avoir plus de 60. Galodon. Presque, mais ça marche. Oh mon dieu, putain, je pensais pas que c'était les. Je pensais pas que c'était les roues à côté. Genre les boules qui étaient le plus proche. On est reparti. Je me rappelle bien, c'est une sorte de bête énorme avec, je sais pas, une tête d'oiseau ou quelque chose comme ça. Oh mon dieu. Non, 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 me fais pas ça la caméra. Oh mon dieu, je suis pas en temps de contrôle, bordel. Horrible. Ouais, non, me refais pas ça la caméra, s'il te plaît. Jamais, plus jamais. En temps de contrôle, ça passe nickel, les mouvements comme ça, mais en moderne, non, c'est un carnage. Le bordel, quoi. Ah, vache. On est bon. Ça sent la chute. J'imagine qu'il n'y a rien en bas. Ouais, non. Ça c'est son ombre. Oh non, il n'y a strictement rien. Faut monter. Ça c'était un peu la galère pour ces niveaux là qui étaient extrêmement grands avec genre des parois escaladées. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un trou en bas? Genre avec un secret, peut-être avec un dragon. Donc tu te tapais tout le chemin pour descendre, puis après tu devais te taper tout le chemin pour monter. Tu passais des heures en fait à faire ça. Là on a l'avantage du drone. Ok, je crois que c'est là. Je vais devoir me soigner. Je sens que je vais devoir me soigner. Merde. Je crois que le jeu va pas me laisser. Le jeu va pas me laisser survivre en fait. Un film d'agace sur le 1, il a ragé un max. Ah, j'avoue, hein.
Je crois que c'est là. C'est lui, en fait, qu'on va combattre. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas pourquoi je passe par là pour prendre l'arme, ça sert à rien. Le marteau à gong. Il est où le machin? Viens ici, machin. C'est pas maintenant? C'est après? Je me suis préparé pour rien? Ah, c'est peut-être après alors. Bon. Ah bon, c'est après. Ah. Où est-ce que ça va là? Oh mon dieu, où est-ce que ça va? Non, me dis. Putain. Me dis pas qu'il y a des trucs cachés. Si vous voyez pas grand-chose, vous inquiétez pas, vous êtes pas les seuls, il y a un levier. Hein. T'es sérieux? Il y a un levier tout en bas. Hop! Je suis un peu loupé. Oh! Oh! Dragon! Pas encore? Ok, pas encore. Ben on va ressortir les pistolets auto. Ah ah. Ouh, plein de grenades. Ça encore, c'est un petit indice sur le fait qu'on va devoir sortir le lance-grenade. Hein. Alors, on va essayer d'aller à l'intérieur de ça. Comment on fait? Par là. Ah! Ah! C'est quoi ça? Je sais pas, un tube. C'est quoi ce truc? Il y a même pas de nom. C'est marrant ça. Un petit bug. Raccourci du lance-grenade, c'est ça. Oh, oula, oula, oula. Oh, oh. Il a... Yes! Ah, oh, on peut voir la grenade voler. C'est marrant, ça, tiens. On va prendre un screenshot. Ah, le mec, il fait de la gym. Hein. Ah, le machin, il fait de la gym. Là. Oh, mon Dieu. Il va me démonter. Là. Oh, oh, la vache, il m'a retourné. Ah! Pas contre le mur! Allez, plus qu'un, plus qu'un. Yes. Wouh. Au péché et à la fortune de Marco Bartoli. Ça, c'est le succès que je viens d'avoir. C'est bien. C'est bien. Ouh. Cinématique. Oh,
aïe, aïe. Ah, elle est trop forte cette Lara. Il y a le son qui est un peu décalé pour les vidéos comme ça, c'est un peu bête. Bordel là. Pourquoi ça marche bien? Je pense pas qu'on avait du son décalé pour les anciennes cinématiques, mais là ça va. Oh, on est de retour à la muraille. Et on peut enfin. Ah oui, c'est vrai qu'on devait. C'était la clé pour la porte en fait. Ah, j'avais complètement oublié ce passage. Genre toute cette aventure pour revenir ici quoi. C'est quand même énorme un Tomb Raider. Tout ça pour ouvrir cette porte. Fallait juste un pied de biche. Ça passait. Ça c'est quoi? C'est le temple de Xian. C'est pas Xion. Ou c'est Xian. Ouh. Stylé. C'est stylé. Ouh, la dague, elle est là. Donc, si je me rappelle bien, cet endroit, c'est l'enfer, on est d'accord. Genre, c'est le mix de boules qui veut t'écraser, c'est le mix de tremplins que tu dois enchaîner. C'est la mort, hein, on est d'accord. Il y a de la lave et tout, il y a du feu partout. C'est bien fait. Regardez. Ah, et l'ambiance aussi. L'ambiance qui fait bien flipper. J'aime bien le pommeau de la dague. Là, le genre de gros rubis. Festival du Die and Retry. Yes, yes, yes. Ça doit être fun. On va garder ça pour la prochaine fois. On va garder ça pour la prochaine fois, je pense. Parce que si je commence ce niveau, genre à 1h du mat, on y est encore. Parce que je crois que c'est pas la fin. Il y a encore ça, puis après, il y a encore les îles flottantes, là, je crois. Donc ça va nous prendre encore quelques heures pour finir le jeu. Le 2 est quand même beaucoup plus long que le premier. Ouais, on va s'arrêter là. On a du bon matos, on a plein de munitions, ça va, je suis content. Ouais, ça va, c'est cool. J'ai bien sauvegardé. Yes. Pop. On va s'arrêter là, pour ce soir. Donc c'était un peu la panique là avec les streams, je suis encore une fois désolé, mais j'y suis pour rien. J'imagine que ça se prononce Xian. Xian, Xian. Oui, vu que c'est chinois. Mais ouais, on va continuer sûrement demain soir, je pense. Ouais, on va peut-être faire demain soir. Comme ça, demain soir, on finit le 2. Et vendredi soir, on fait le DLC, peut-être. Quelque chose comme ça. Mais ça va sûrement être demain soir, je pense, le prochain stream. On va continuer Tomb Raider 2. Et on va essayer de le finir. On va essayer de faire ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment d'être resté. Même après le bordel avec les streams là, de YouTube qui buguaient de tous les côtés. En tout cas, on se reverra au prochain stream. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. N'oubliez pas d'aimer le stream, tout ça, comme d'habitude.
Ciao. Et regardez ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est cool. Il y a plein de vidéos. C'est vraiment cool. 6000 vidéos. Incroyable. Magnifique. Ciao. Oh my God.